Les petits loups, avant que le gameplay commence, j'aimerais juste vous expliquer une petite chose, ça va durer 30 secondes. En fait, le jeu, on l'a fait en live sur Twitch, d'une traite. Voilà, en moins de 3 heures, je me suis dit, tiens, le jeu, moi j'ai adoré, c'est excellent. On a parlé de tout et n'importe quoi, d'actualité, de jeux vidéo, et même des fois de ma vie privée, en espérant que ça vous plaise. Comme ça, s'il y a les jeux que je fais sur Twitch et qu'on finit en un minimum de temps, moins de 5 heures, eh bien je vous proposerai toute la vidéo d'un coup. Après, c'est à vous de voir si vous voulez regarder 10 minutes par jour, 30 minutes, si vous voulez pas la regarder, c'est à vous de voir, ou si vous le regardez tout d'un coup, voilà, c'est à vous de voir. Moi franchement, je vous laisse ce petit gameplay, en tout cas ce jeu j'ai vraiment adoré, si vous aussi, bah, vous pouvez laisser un petit like, je le ferai assez souvent si je fais des lives sur Twitch et que le jeu me plaît, au lieu de diffuser épisode par épisode, je mettrai le gros bloc, et puis voilà, bon visionnage, allez, salut! This is supposed to be the great Vinnie Cannoli. That's right, Louie. They call him the Tyrant of Thugtown. Oh, yeah? Never heard of that place. You're kidding me, right? You've never heard of the Thugtown incident back in 28? No, what about it? Nobody really knows what happened over there. But the story goes that the local gangsters peddled some bad hooch, turning the entire city into a bunch of crazy cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, I kid you not. Zombies did. In the end, the army gassed the entire town with everyone in it. The whole area has been quarantined ever since. That's freaking whack, man. So where does our little pal here fit in? Well, there was only one guy who miraculously survived the whole massacre. Didn't have a scratch. They say he must have done some nasty stuff to get out of there alive. The government tried to make him do time. But in the end, the whole incident was swept under the rug, and therefore all charges against him were dropped. Wow, seems like quite a fella. So, Tony, who was that guy? You kidding me, Louie? We're looking at him. Wow, you're joking, right? He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. He's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Good one, Louie. But no can do, my friend. The Dark Don wants him alive. But we can straighten him out a little bit first. You guys are freaking hilarious, you know that? Oh yeah? How's that? Cause you really stink at tying ropes. I have a weather forecast for you, Louie. It's gonna be bloody, bloody with a chance of body parts. Par contre, ils ont toujours pas corrigé le chapeau qui part en avant et qui revient. J'entendais que ça pour la cinématique. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le Père Noël! D'accord. C'est quoi déjà les touches? D'accord, ça c'est pour changer. Ah, c'est L2 pour sauter! D'accord. On va s'y faire, hein. Vous me direz, j'ai l'impression de ne pas avoir le son très fort du jeu. Je sais pas là, si ça sera mieux. Ouais, je vais voir si... En plus, on peut même pas changer, tu vois. Je vais essayer de m'y faire. Je crois que je m'y étais fait sur le jeu... sur PC, donc... Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Merci Nathan pour le sub de 14 mois. Je te rajoute durant une cinématique. Si j'oublie, s'il te plaît, fais-moi penser. Genre durant une cinématique. Oh, y'a un Père Noël! Ça va être moi plus tard. Voilà. Bah, tu verras si je vais bien. Moi, je kiffe ce type de jeu.
C'est un jeu où c'est relax. Dans le sens où on fait mal aux gens. Enfin, je vais enlever comme ça. Ouais, il est rentré par la cheminée. C'est vrai que c'était une sorte de cheminée en plus. J'avais pas fait gaffe. Ah non, faut passer par en dessous. Hop. Ouais, c'est bon pour le film, parfait. En plus, selon des thèmes des années 60-70. On est au... Vraiment que je me réadapte, hein. J'ai un petit peu du mal. Qu'est-ce que tu fais, toi? Batte de baseball. Attends, attends. Y'a rien. D'accord. Oh là, toi, je te défoncer. Voilà, on a la première arme. D'accord, je peux la récupérer. Quand tu fermes un sac, qu'on entend moins. Oh bah ça va. De toute façon, c'est à moi de parler un peu plus fort. D'ailleurs, si, pour ceux qui sont intéressés par le jeu, il y a une version. Il y a le, ça, c'est l'épisode numéro 2. Hein. Faut prendre le Gunsker et Cadoli 1. Qui coûte même pas 5$, je crois. D'ailleurs, j'ai une version PC à offrir. Je sais pas si je vais faire un concours ce soir ou demain. Du premier exemplaire sur PC qui est très très bien. Je saurais même pas dire quel est le meilleur entre les deux. Que les deux sont. Les deux sont très bons. En plus, on peut y jouer en coop. Je vais demander à l'éditeur s'ils ont pas. Différents exemplaires. Genre s'ils ont pas 2-3 exemplaires comme ça je te. Pour le dire que je le fais en coop et pour les offrir. Come here, you. Ah, prends ça. Moi, je kiffe ce type de jeu. C'est simple, c'est joli, c'est fluide, voilà, y'a pas de. Ah il crevait. Voilà, ça on récupère des munitions. T'as vu ma vidéo sur code Mika ou pas? Parce que franchement, pour ceux qui se demandent pour Red Dead, j'ai pas vu le gameplay que je veux pas me spoil. J'ai vu les gameplay, enfin les cinématiques qu'on a vu il y a quelques mois. À partir de maintenant, j'ai pas envie de me spoil. C'est comme Spider-Man, je regarde pas les vidéos qui sortent. Parce que sinon après, une fois que t'auras le jeu, tu vas déjà tout connaître. C'est un peu dommage, tu vois. Et pour Call of, franchement, moi j'ai bien aimé le Black Ops 4. Mais il est très très rapide et il y a un gros problème. Enfin, il y a pas mal de problèmes, mais le plus gros problème pour moi, c'est que maintenant dans le Call of, on peut réapparaître un peu comme en escouade à côté de ses alliés. Ça veut dire que c'est très dur maintenant de faire des gros enchaînements. Parce qu'à chaque fois, tu te retrouves à être un contre deux ou trois. C'est... Après, le système de pouvoir se redonner de la vie, nous-mêmes, en gros, on se met une picouse. Ça, c'est très intelligent. J'aime beaucoup. Par contre, comme j'ai dit, oui, le fait que des fois, tu fais une série de kills, c'est très très bien. Mais... juste après, t'as plein d'ennemis derrière toi. Par contre, lui, il est un peu relou, parce qu'il tire des balles depuis tout à l'heure. Je vais me le faire. Voilà. Les spécialistes sont cool, moi j'avais pris le spécialiste, la meuf là qui a les cheveux violets, celle qui a le lance-patate, je trouvais ça cool. Mais le jeu est bien, salut Onis. Bah oui Corrida, après si t'as l'argent tu peux le prendre, hein. Mais si tu veux, encore mieux que de l'acheter, bah tu peux te sub à la chaîne, pour le même prix, et tu peux me regarder jouer. N'est-ce pas magnifique? Salut Léonard, bonne nuit. Petit headshot, il est bien passé. Oh, ça sert à rien de le péter. À part qu'on a fini de les avoir eux, ça nous donne des munitions. Pour l'instant ça se passe bien. Et je vous le dis, j'ai complètement oublié le jeu. Je sais même plus comment ça se passe, etc.
tu veux faire des vidéos sur le nouveau DLC de GTA V, bah il y en a déjà qui sont déjà, y a déjà des vidéos qui sont sorties. Ah voilà, c'est ça le coup, corps à corps. Put. Voilà. Ok, on va comprendre celle-là. Bonsoir. Well, he ain't getting an open casket at his funeral, that's for sure. La miniature m'a pas attiré du tout. Ouais, en fait, je savais pas quoi mettre comme miniature. J'ai mis celle-là, je pensais qu'elle rendrait bien. En fait, il y a des images. Ça me saoule un peu avec YouTube. T'as des images en grande. Elles rendent bien. Mais une fois que tu les mets en miniature, mais ça rend pas du tout bien. Mais vraiment. C'est un peu chiant à ce niveau-là. En fait, une fois que tu l'es fait, t'es sur Photoshop, c'est bien. Et après... Salut. En ce moment, c'est la res, mais t'inquiète pas. Bah, je sais pas, t'avais dit tu t'achètes le jeu direct. Du coup, moi, je dis, t'as de l'argent. Par de ce principe. Bonsoir. Attends, je t'ai vu là-haut. Hein. Je sais pas si t'es avec moi ou pas. Aïe. On se calme. Oh. Ah. Just the way I like it. Oh là, je te tire en pleine tête. Sublime. Après, je sais pas si les trophées sont activés déjà. Parce que souvent, les trophées, quand un jeu est pas sorti, bah, ils s'activent uniquement quand le jeu sort. C'est un peu relou, ça. Aïe. Le feu, ça brûle! Bon. C'est une bonne arme, celle-là. Le seul souci, c'est qu'elle met pas mal de temps à recharger. Ah, pas de problème, Wiko Reda. Bon, ben, tant que t'es là et que t'es présent, c'est le principal, hein, j'ai envie de dire. Le sub ou faire des bits ou des dons, c'est un plus. Okay. J'oublie de donner des coups de pied. Genre ça là. C'est ultra efficace. Un petit peu de cœur s'il vous plaît. Tiens toi là. L'eau ça mouille pas tout le temps. Mais t'aimes bien les petits cris, bah parfait. Moi j'aime bien y jouer alors. Des petits cris, tu vas en entendre, mais il me semble qu'il y a des cris à des moments, on apprend des personnages bizarres, donc... Ah, tronçonneuse. D'accord, ça sert à quoi de passer par là, finalement? On va voir, hein. Comme je dis, je me souviens plus du tout. D'accord, c'est le chalumeau. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose de passer par là? Non. D'accord. Je vais éviter de prendre ça pour le moment. Le chalumeau c'est bien quand t'es en corps à corps. Ouais, ça fait du bien, mais même moi, hein, comme je dis à chaque fois, avant les lives, il faut me demander, là c'est Turpinette qui a dit Nasser, lance le jeu ou fais-le. Bah je dis, je le répète en live, si une personne veut voir autre chose que Star Wars, soit qu'il me le dise. Après, faut que le jeu me plaise aussi, hein. Je peux pas faire un jeu qui me plaît pas, mais. Alors, vu le nombre de jeux que j'ai, je peux pas dire que j'ai pas de jeu. Parce qu'il y a des fois, il y a des jeux, j'ai pas de les faire. Celui-ci, j'adore parce que. Je sais qu'il est pas très long, qu'il dure moins de 3 heures, si je joue bien. Et qu'il me plaît, donc là, c'est.
Est-ce que t'as des écouteurs Bluetooth pour la télé? Non, j'aime pas les écouteurs Bluetooth. J'ai l'impression d'entendre des ondes quand je les mets. Bah moi Steve, j'ai des mises à jour tous les jours. Hein. Dès que je lance Steam, toujours une mise à jour. Tu maîtrises le jeu? Non mais après celui-ci je le connais, après il est simple d'accès j'allais dire. Oh, je sais même pas comment je l'ai eu. Okay. Mais le bien c'est qu'on peut jouer à 4 en coop. Mais je vais demander à l'éditeur s'ils ont pas des exemplaires. Ça peut être drôle. Moi ça me dérangerait pas du tout de le refaire en coop celui-ci. Que tu vois ma tête. Non mais il faut proposer d'autres jeux, moi j'ai toujours dit hein, que souvent on me reproche de faire beaucoup de Star Wars. C'est vrai, mais... Il faut proposer autre chose. Bon, genre y a personne en haut. Il y a ça, il y a personne. Genre il esquive tout. D'abord je m'occupe des sbires. Un petit peu de fusil à pompe. D'accord, je pensais que ça allait passer. Oh, genre le son il est bien là, ça fait genre comme si tu pleuvais. Fusil à pompe il rigole pas. Hein. Il a quand même une bonne portée. Ça envoie plusieurs plusieurs balles. Par contre. Hop là. Voilà. Non mais vous êtes combien? C'est même plus famille nombreuse là. Voilà. Oups. Attends. En plus il leur faut qu'une balle. Ça sert à quoi que je gaspille mes fusils, mes balles de fusil à pompe? Un truc à faire avec ça, non. Bah alors, là, c'est caca. En plus, vous étiez deux. Ça, j'ai pas fait gaffe, ça. Deux dans les mêmes chiottes. Je suis pas là pour juger, mais. Ça fait plaisir, vous avez raison. Oh, oh punaise. Ah, mais c'est bon. C'est vrai que ça doit pas être agréable de se faire interrompre. Ça c'est fait. Ah. Mais il tire d'où là? Déjà. Il y avait un petit trou, il a réussi à rentrer. Hein. Ah là, je sais pas ce que ça faisait aux toilettes, si ça faisait ça ou pas, mais. Bah, après, ils ont raison, hein, après tout. Voilà. En fait, ce jeu il est drôle, moi j'aime beaucoup. Hein. Comme quand je l'ai fait sur PC, j'en vantais les mérites, mais ça va pas exploser ça. Après, le seul problème c'est que. Okay. C'est que ça y est, pour le prix, voilà. On peut peut-être espérer plus que 3 heures de jeu, mais 15 euros pour 3 heures de jeu, ça vaut. Quand tu vois que t'as des jeux qui coûtent 70 euros, enfin 50 euros, qui durent 6 à 8 heures, ça équivaut. Hein. En plus, t'as vu la news que j'ai mis sur God of War? Il y a un New Game Plus. Moi, je trouve qu'il arrive un peu trop tard. Après, est-ce que maintenant t'as envie de relancer God of War? Bon, t'as New Game Plus, t'as des ennemis plus forts, donc ça donne envie, toi, il y a du challenge. Mais pour moi, ça aurait dû être présent, genre quelques jours après la sortie, quoi. Pas plusieurs mois. La police, calmez-vous! Oh, 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 d'accord. Alors, on attend. Et on fait ça. What the... Oups, j'ai pas prévu lui! Ah, c'est Trixou qui conduit, hein. Attendez, ça arrive pas par là aussi?
Oh la pauvre tête. C'est quoi la commande pour le bot qui dit de s'hydrater parce que j'ai très soif? C'est une commande automatique de Twitch. C'est pas moi qui l'a fait. Mais si t'as soif, bah va boire quoi. Bah, attends pas qu'une commande te dise d'aller boire pour boire. Ah d'accord, il est mort de la chute. Ce qui aurait pu t'arriver de quoi? J'ai pas compris. À moins que j'ai pas tout suivi. Parce que je vois qu'il y a plein de discussions entre vous, du coup bah, je lis pas tout. Ah la comme... Ah bah tiens, si les trophées sont présents. Ah si, avec Trixou. D'accord, j'ai compris. C'est sûr. En fait, lui, il contrôle la voiture, donc il sait ce qu'il fait, mais moi, je suis au passager, j'ai peur. Tiens. Hop, et on finit avec... Ah, plus de balles, plus de balles. Petit coup de pied. Oups. D'ailleurs, Trixou, je lui ai parlé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il serait là ce week-end normalement, samedi ou dimanche. Je pense plus samedi. Je crois qu'il faut aller plutôt par là, c'est pas là l'endroit principal. Bah j'ai même pas encore testé les DLC de Far Cry, mais j'avoue que ça me donne pas trop envie. Un live question avec Trixou, bah pour faire un live comme ça, faut que ma mère soit au bled. C'est pas journée porte ouverte chez moi. Salut Evil. Oh, t'es pas mort toi. Je vais avoir un gilet pare-balles. Ah, peut-être que... Attends. Non. Je crois... Ouais, j'y crois moyen. Eux ils sont relous. Voilà, s'il y a des ennemis qui te lancent des trucs comme ça là. C'est bon, y'a plus personne. Il y en a encore un petit malin? Ça suffit. Tu stream tous les 4 jours? Bah, je stream quand je peux. Hein. En plus, c'est un non-sub qui ose se plaindre. Moi aussi, je peux te dire que t'es pas sub. Hein, voilà. Oups. Je l'ai pas vu. On prend le fusil à pompe là. Je le sens bien. Hop là, toi. Oh le pauvre. Voilà. Salut Saint Pink. Je crois que t'avais écrit ça. Ouvrez les portes. Attends, y'en a. Ah mais je le tue avant que ça pète. Mais genre. Oh, là, oh le bluff. Bah oui mais... Ça aurait pas dû être comme ça. Oh, 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 oh. Je pensais que c'est avec les plus froids. Salut staff. Ah j'ai oublié que les policiers sont relous. Parce que il y en a qui ont des... ça là. On se calme. J'ai dit on se calme. Le vol plané qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Genre t'as un passage ici mais il mène à rien.
moi je dis... Ça veut pas péter ça? Genre après ça crée un mur peut-être? Non. Des personnes payent leur sub avec leur mobile car j'arrive pas à le faire aujourd'hui. Ah, aucune idée. Après il faut se dire que Twitch a fait une mise à jour. Donc qui dit mise à jour de Twitch dit qu'ils ont peut-être fait une connerie quelque part. Je vais prendre celle-là plutôt. Hop, hop, hop. Mais en plus, Mika, t'as acheté Monster Hunter. Hmm. Dehors, non, tu vas pas le prendre et au final, tu l'as pris. C'est ça. C'est parce que tu voulais pas que je joue avec toi. À vous. Joe Barista here. Joe, it's Vinny. Listen, I got half the friggin' town tailing me. You gotta get me the hell out of here, fast. Okay, okay, stay put. Where are you? I'm not sure, but it looks like I'm in the lower east side of the city. Oh, man, that's not good. Not good at all. There's a police raid going on in that part of town. Too much heat to send a car over there right now. Come to the pilot bar next to the old airport. I'll meet you there. Don't get pinched, okay? Et voilà, ah, c'est bon, attends, j'ai mis, t'inquiète, j'y ai pensé justement. Voilà, la petite musique là. Salut Bibu, comment tu vas? J'ai vu Mika. Bah après, si, j'ai demandé un exemplaire, si je le reçois, si tu veux qu'on le fasse ensemble. Moi je connais pas du tout le jeu. Je le ferai pas en live, mais pour le plaisir comme ça. J'avais joué un petit peu aux opus sur la Wii U, il me semble. Et hormis ça, je suis vraiment pas un grand connaisseur. Là, il faut en plus qu'il faut que je fasse la vidéo sur Strange Brigade. Je fais mon gameplay. J'ai du mal à commenter dessus, je sais pas quoi dire. Le jeu, il sort le mois prochain. J'ai un petit gameplay exclu, il faut que je le mette en ligne. Alors, je l'ai fait avec Christophe, là. Grâce à l'event, j'ai fait le meilleur score de la soirée. Du coup, je gagne le collector. Et ouais. Même si j'étais dans une équipe vraiment... Ah, il y a des roulades, d'accord. C'est bien à savoir ça. Par contre, on a toujours pas de grenade. Ça va peut-être arriver un peu plus tard. Présente le jeu, le contenu. Ouais, mais je peux pas forcément présenter comme ça parce qu'en fait, dans le gameplay qu'on a eu, il y a pas vraiment beaucoup de contenu en fait. Ils ont mis un passage exprès pour pas qu'il y ait de spoil ou autre. Mais c'est juste que j'aime pas parler en différé, j'aime pas ça. Souvent les gens me disent que c'est bien, hein, ça passe bien. Mais moi en fait, quand je fais la vidéo, j'aime pas. Qu'importe le jeu, hein. Même si tu me demandes de commenter en différé, n'importe quoi, j'aime pas. Oh my god! Ouais, mais justement, en fait, moi quand je commente, et que je fais ma vidéo, bah en fait, quand je fais le rendu ou quand je réécoute et tout, je me dis, mais c'est nul à. Enfin, pour moi, hein, je me dis, c'est nul à chier, vraiment, enfin, genre c'est. Et après, les gens me disent que c'est bien, du coup, bah c'est cool, hein. C'est comme la vidéo de God of War que j'ai fait à l'époque, le petit gameplay exclusif, ou plein d'autres vidéos que j'ai pu faire en avance. Ça me fait toujours bizarre. Ah, mettre la guillotine. Je crois qu'il est mort lui. Il est parti dans le feu. Et ce qui est bien avec Strange Brigade, c'est qu'il peut jouer en coop à 4. C'est pour ceux qui se demandent quel est le style de jeu, en fait c'est un TPS. Vous connaissez peut-être ou pas Ninja. Sniper Ninja, comment il s'appelle déjà? Le jeu de sniper, même on peut voir les ralentis où on explose des fois des cœurs, comment ça s'appelle déjà? Sniper Elite, je crois.
Bah si c'est ça ou pas, je verrai par rapport à ce que vous me dites. Mais en fait c'est ceux qui ont fait le jeu qui ont fait Strange Brigade et ça se voit. Et imaginez du coup un Sniper Elite en coop, où t'as un mode histoire à faire en coop aussi. T'as des vagues de méchants, enfin c'est vraiment très sympa. Franchement le jeu est très cool. Avec Christophe qu'on avait testé le jeu durant la version là, on a dit ouais vivement la sortie. Du coup vivement la sortie. Voilà du coup bah. Mais je mettrai la gameplay, je mettrai trois gameplays. Je mettrai un gameplay solo, où j'affronte des monstres, etc. en mode histoire. Je mettrai un gameplay multijoueur où on doit tuer un démon squelette pirate. Et je mettrai un troisième gameplay qui sera beaucoup plus court, qui va durer moins de 10 minutes. Qui sera un mode score attaque. Et c'était là le défi avec les gens de la presse. Qui était de celui qui fait le meilleur score. Bah repart avec une version collector. D'ailleurs, il y a un jeu, j'en avais parlé, qui s'appelle Override. Attends, deux secondes, hein, je vais juste checker pour voir si elle est dispo la bêta. On m'a dit que le jeu était dispo gratuitement sur PS4, mais sinon j'ai des clés sur PC pour ceux qui veulent jouer sur PC. Enfin, si ça veut bien fonctionner. On m'a toujours dit prendre la PS4 Pro, ça va plus vite. On m'a dit qu'il fallait taper bêta pour la trouver. Et on m'a dit que ça devait sortir aujourd'hui. M'allait toujours pas. Faudrait que je regarde après. Mais je me rappelle plus le nom du jeu. Je l'avais mis sur le Discord. Et après, Focus, ils m'ont aussi envoyé un FPS qui s'appelle Sand, je sais pas quoi là. Un truc qui sort l'année prochaine, encore une fois. Du coup, moi j'accepte, hein. Ça fait des gameplays. En plus, il n'y a pas d'embargo. On m'a dit, tu peux proposer autant de gameplay que tu veux. Moi, quand on me dit ça, c'est le bonheur. Oh, moi, le PS Store, de toute façon, pour moi, ça a toujours galéré. Hein. Toi, tu veux bien, bah, je verrai après quand le live sera fini ou demain. Pour les. Que j'ai envoyé pour Override là, le jeu de mecha multijoueur qui est super beau en plus. Ils m'ont conseillé de jouer à la version PC. Qui m'ont dit sur la version PC en fait le jeu est plus optimisé et toutes les mises à jour ont été faites sur PC alors que sur console il y a rien n'a été fait. Ah, peut-être qu'il a. Bah alors on balance son arme. Ah, d'accord. Tu penses pas que Strange Brigade ne risque pas de lasser à la longue? Si, bah comme tous les jeux, hein. Comme tous les jeux. Et pour moi, ça, c'est pas un jeu qui va jouer sur la longueur. Genre, tu vas peut-être jouer quoi? Je dis une bêtise, hein. Peut-être un jeu que tu vas jouer. 50 heures, peut-être. Genre 20 heures pour le solo. Et le double pour le multi. Pour t'amuser à faire des missions, etc. Après, je sais plus très bien si le jeu. L'histoire est jouable en coop ou pas, je redemanderai pour faire ma vidéo, pour être sûr. En tout cas, bah, le jeu, franchement, j'ai bien kiffé. En plus, c'est dans 4K HDR 60 FPS sur console. Sur PS4 Pro, en tout cas. Sur Xbox One aussi, sur PC. Très probablement, puisque si c'est sur PS4... ça sera aussi sur PC.
faire celui-ci. J'arrive! Genre, on peut pas passer par là? C'est vrai qu'il y a une arme ici. Et... ça me semble bizarre ça. Pourquoi on aurait une arme ici alors que. Le TPS, un jeu nul? Non, pas nul. On peut pas savoir si c'est un jeu nul si on l'a pas testé. Hein. À part si on est fermé d'esprit. Bah oui, c'est le jeu de mecha. Bah au moins, la seule personne qui dit que c'est un jeu nul, c'est la seule personne qui a suivi. Que souvent les jeux sont intéressés par des clés de jeu, mais ils savent pas ce que c'est. Du coup ils demandent des clés, et après quand ils savent ce que c'est... Oh le pole dance. Allez, on éteint tout. J'espère que votre matraque vous aura quelque chose, vous. Brûlez. Venez, je vais tous vous brûler. Oh, par contre, toi. On va se calmer. Jory, il passe par-dessus. En fait, j'ai envie de les lancer dans le feu. Non. Dans ma tête, je me dis qu'il y a un trophée par rapport à ça. Mais... J'aime bien la musique. Franchement, je passe un bon moment à écouter la musique. Là. Oh, il veut pas descendre comme ça. J'ai tapé la bonne arme pour lui. Je voulais prendre la tronçonneuse un petit peu. Bonsoir. Le pauvre est tombé. Salut. Allez, voilà. Personne nous verra. La BO est très bien, ouais. Moi j'aime bien. Après il faut aimer le style de... Mais j'aime beaucoup, ouais. Quand tu sais que c'est un jeu indépendant, en fait, tu t'apprécies plus. Et c'est pas un triple A et tout. Et... Parce que si le jeu c'est vraiment mes favoris, enfin,
avec les beat'em all. C'est vraiment excellent. Après en beat'em all, là, il n'y a pas grand chose qui sort. D'ailleurs, en plus, en parlant de Flash, Julian, j'ai même pas remarqué que c'était Drago dans Harry Potter. Je me dis, mais lui, il me dit quelque chose. Son air, des fois, un peu méprisable et tout. Je me dis, mais ça me dit quelque chose. Et c'est longtemps après que je me suis fait. Je vais faire de recherche sur YouTube, enfin sur Google, pardon. C'était bien lui. Il a toujours la même tête, mais il a changé, je trouve. Enfin, changé dans le sens où il a apparemment. Je sais pas comment dire ça. Il a la même tête forcément, mais il a un air. La dernière fois que je l'avais vu, d'accord, avec personne, c'était dans le film La planète des singes. Il avait un rôle d'être le enfin un méchant quoi. C'était sympa. Là de voir dans la série, ça m'a fait plaisir. Ça fait bizarre de voir ceux qui jouent dans Smallville, dans Lucifer. Lui, tu le vois dans ça. Ça fait chelou. Dans Harry Potter, ils étaient deux fois plus grands par contre. Bah ouais, les petits, hein. Ça quand tu le compares avec l'acteur, avec Flash par exemple, c'est ça qu'il est assez petit. Ah. Mais c'est cool de les revoir. Parce que moi je trouve que c'est des bons acteurs donc. What's going on out there? Why is every wise guy in the city trying to get me? I thought everything was squared out with the other families at the last sit down. It seems there's some new gangster in town, calls himself the Dark Don. Nobody knows who he is, but he's got every wise guy in the city in his pocket. Word on the street is he's got a particular interest in you. That's so. Well, I don't like getting chased around town like a friggin' dog. Where's this guy's hideout? I'll pay him a little visit. Teach him some freaking manners. That's the weird part, Vinny. Everything indicates this Dark Don is running his show straight out of Thug Town. What? Yeah, I kid you not. This guy on the force told me they reported an unusual amount of activity there lately for a ghost town. My best guess is you'll find your answers there. I hope I never have to set foot in that freaking hellhole again. If that's the way it's gotta be, then so be it. Alors, où est-ce qu'on va? D'accord. Ça fait chelou d'avoir le costume de Père Noël. Ça me perturbe. C'est bien des fois de voir leur animation. Ça fait penser au truc à Soldat Perdu, Mémoire d'Outre-Tombe, ça s'appelait. Vous voyez, il ressort sur la Nintendo Switch. Toi, c'est bien pour ceux qui ont la Switch, ils ne pas pu le tester sur PC, PS4 ou autre. Mais bon. C'est quoi le nom de la ville? J'ai pas fait gaffe. Morteville, je crois que ça s'appelait comme ça. Bah après, peut-être qu'en en anglais ça sonne mieux, non? Deathville. Tug Town. Tug, c'est les racailles, non? D'accord, il y a ça là, ça sent pas bon. Ah, des zombies, enfin! Oh la pauvre! Franchement, hey, c'est pas très gentil ce que vous faites. Hein. Tox et voyou, ouais, c'est voyou, racaille, malfrat, gangster.
Bon, il y en a qui suivent, merci à vous. Hein. Ça fait plaisir de voir un live où quelques personnes suivent. Enfin, là, vous êtes nombreux à suivre quand même. Hein. Peut-être que vous êtes content qu'on arrête un peu de Star Wars. Un peu Star Wars. Après, dites-moi s'il y a des jeux que vous voudriez voir pour les prochains lives, vous me dites. Hein. Bon, il y aura pas de live avant dimanche ou lundi, vu qu'il y a la Community Day pour Pokémon. Mais. Fallout, je préfère laisser les gens qui savent y jouer et qui savent. On va dire rendre le jeu encore mieux que ce qu'il est. Moi, si j'y joue, j'apprécierais pas et je dirais que c'est nul parce que c'est pas mon style et. C'est pas bien. Je préfère laisser les gens qui savent y jouer. J'aimerais bien. Hein. Peut-être que le prochain. Le. Comment il s'appelle déjà ? Fallout 76. Salut Oda. Et merci pour le follow. Ah, mais ça va les gars. Tranquille. On ne semble pas l'avoir vu, c'était ce méchant-là dans le. Dans la version. Il me semble pas l'avoir vu dans la version PC. Lui là. Faudrait que je vérifie dans le let's play. Mais il me semble pas. Hein. Après ils ont dit qu'ils avaient rajouté des ennemis, etc. Ils avaient peaufiné le jeu. Surtout rajouter des quêtes à faire en multijoueur. Un peu chaud. Bon jeu. Oui, j'ai vu ces trucs là, mais on n'a pas en parlé ici. Les gens le font assez sur Twitter, etc. Peut-être qu'en parler, Twitch peut prendre ça comme des. Comme la diffamation, qu'en fait on n'en sait rien, je laisse les choses faire. Hein. Il devra se faire ce pas. Parce qu'il y en a qui ont été kickés, bannis sur Twitch pour moins que ça. Plus d'heures de jeu, peut-être. Ils ont peut-être mis les DLC. Je sais pas s'il y a des DLC dans le jeu, on verra. Mais cet ennemi-là, je suis sûr de pas l'avoir vu dans la version PC. On verra. Hein. Tout ce qu'il pourrait rajouter, c'est bon à prendre. Hein. Salut Raoul. Est-ce qu'il y a une YouTube? Oui, point d'exclamation YouTube, ou dans la description de la chaîne en bas. Il y a le lien, il me semble. Il me semble. Hein. Franchement, je m'éclate sur le jeu. Hein. Comme la dernière fois. D'ailleurs, j'ai un autre jeu à présenter. Je l'avais fait en découverte, mais j'avais jamais continué. Creepy Road, pour ceux qui ont la découverte. C'était un jeu, même à la fin, j'ai abattu, je me suis tapé contre un mec qui faisait du cirque. Genre un gros balèze, dans un cirque, etc. Oui, c'est pardon, mais on n'en parle pas, ça, on laisse les gens en parler sur les réseaux ou autres. Je veux pas avoir de ça ici. Je veux pas finir... kicker ou autre. Parce que si je laisse, ça veut dire que je suis d'accord. Pas bavard, mais fatigué. Ah, faut dormir la nuit, hein. Moi ça va, Raoul, quoi. Ça va. Quand je joue un jeu qui me plaît, hormis que j'ai mal au cou, mais je passe du bon temps. Ouh, j'ai pas vu. Voilà, une seconde d'inattention. Et les zombies, bah ça te saute dessus. Hein. Alors ça. Zut. Tiens, quoi. Oh, mais vous êtes plusieurs. C'est une soubrette, ça. Ouh. Pas bien. En même temps, on sait tous que les morts vivants sont un petit peu teubés. C'est pas contre vous, hein, mais. Voilà, hein. Faut pousser dans le tas. Salut, je suis une table. Après, ce qui est chiant avec eux, voilà, c'est qu'ils vont essayer de me surprendre. Tiens. D'accord, il va falloir.
sauter au moment où c'est au milieu. On passe déjà un câble de difficulté. C'est pas évident pour la maniabilité. Y'a personne, genre? D'accord. Ils ont mis ça juste pour le plaisir. Ils ont mis ça, tiens, vous avez tué tout le monde, mais tu peux pas l'utiliser. Bah, c'est vrai que... Je veux pas dire qu'aucune personne fait des vidéos de WWE, mais justement, ceux qui font des vidéos de catch, qui jouent du bon au jeu, bah, il y en a plein. Sauf que les gens qui le font, bah, en fait, ça fait pas beaucoup de vues. Le catch, du moins le jeu, ou même la discipline, le divertissement, c'est quelque chose assez niche, c'est-à-dire que c'est très peu connu. Maintenant, les gens... Bah, ce qui est normal, hein, mais si les gens font un truc sur YouTube, bah, potentiellement, ils veulent faire des choses qui marchent, comme sur Twitch. Hein. Si tu veux réussir sur Twitch, c'est pas compliqué, entre guillemets. Tu fais les jeux qui marchent le plus. Tu vas dans les jeux les plus joués sur Twitch, et tu le fais, et t'espères que les gens vont te repérer comme ça. Et si t'as de la chance, bah voilà. C'est pas en faisant des trucs inconnus, mais... Non, mais c'est bien le catch. Faut aimer. Moi, j'essaie de rendre le catch un peu plus divertissant, que je m'y connais pas forcément plus que d'autres ou moins bien que d'autres, mais... J'essaie de rendre la chose agréable à regarder. Même si tu connais pas la discipline, bah... Parfois, c'est drôle. Ce jeu, oui. En fait, il sort le 14 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, je crois qu'il est déjà sorti. Et sur PC, c'est déjà sorti il y a quelques temps. J'avais fait le jeu à l'époque. Mais vraiment très bien ce jeu. À petit prix, très bon jeu, très bonne BO. Bah, direction artistique, bah, tu peux voir comme quoi le jeu est très sympa. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais plutôt passer par la gauche. Ah, je suis sûr que lui... Genre tous les autres ennemis, j'arrive à m'en rappeler, mais... Peut-être qu'il va attendre. En plus, elle a coupé son bras, quand même. Bon, je vais m'occuper de toi qui est tout en haut. Oups. Ah, d'accord. Voilà. Capitaine. Du coup, attends, on passe par là. Souvent, je passe par ces endroits, hein, parce que... Je me dis qu'il y a peut-être des passages secrets, des armes, de autres. Mais souvent, je le fais avoir. Ah. Ok, on va passer par les escaliers. Bah, le jeu dynamique, ouais. C'est un beau défouloir, et en plus, il peut jouer à 4, comme je dis. 4 en local ou en multijoueur, c'est bon à rappeler quand même, parce que c'est vrai que souvent les jeux sont jouables uniquement en online ou uniquement en local. Là, vous pouvez jouer en local ou en multijoueur. C'est pas ce que je voulais faire, mais tant mieux. Je pensais qu'il allait tomber. Voilà. Deux pour le prix d'un. Ouais, je vous invite à le prendre. Bon, franchement, c'est des gens qui prennent le jeu, ça me ferait plaisir parce que, bah... Les jeux indépendants, ça, c'est difficile à vendre. Et surtout les bons jeux. Mais sinon, franchement, enfin... Je dis ça parce que je suis pas le seul à valider, je pense. Mais si tu es intéressé par le jeu, je t'invite à tester le premier. Ça, c'est le deuxième. Il s'appelle Guns Core Cannoli 2. Il y a le premier qui est déjà sorti. Il coûte, je crois, moins de 10€. Il est tout aussi bien. Le 1 est... En fait, le 1, c'est la suite, le 2. Du coup, si tu veux faire le 2, je te conseille personnellement de faire le 1. Qui est une perle. Hein. Moi, j'ai adoré. Il me semble que Staff l'avait fait avec Turpinette. Ils avaient bien aimé aussi. C'est une valeur sûre. Ouais, c'est le style Metal Slug. Exactement. Le premier est sorti, donc... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Je me souviens pas d'eux aussi. Ou peut-être. Je sais plus. Ils sont bizarres.
Oh non, c'est 4. En fait, avant de commencer le jeu, Steam, t'étais pas là, mais ils m'ont proposé de jouer à 4. À 4, ça doit être le bordel par contre. Hein. Mais à tester. Il y a un mode en ligne, j'ai jamais testé parce que j'ai jamais eu personne avec qui jouer pour la version PC. Ah oui. Attends, en fait, je vais prendre plutôt cette arme là. Parce que le fusil à pompe il est bien, mais contre eux là qui sont assez chiants à faire à distance là. Ah, mais il était pas mort! Est-ce que tu diffuses aussi les combats de... Ah non, ça c'est interdit, comme l'a dit Kent. Parce que bah c'est comme si tu diffuses un... Comme diffuser un match de foot là, sur YouTube, c'est interdit. Mais comme je dis souvent, parce que là je viens de voir ta réponse, je vais dire une chose très simple en fait. C'est pas parce que des gens... pas parce que des gens font des choses interdites et qui ne se font pas kicker qu'il faut le faire aussi. Par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, je prends deux secondes. Imagine, t'as des amis ou des connaissances qui font un braquage, ça marche, ils se font pas griller. C'est bien pour eux, d'accord? Mais ça veut pas dire que toi t'as le droit de le faire. Tu peux le faire, je peux diffuser du catch si je veux, y'a pas de problème. Par contre, après, si ma chaîne elle est supprimée, ça sera de ma faute. Quand tu surfes avec l'illégal, c'est... faut pas jouer avec le feu. Après, les gens qui diffusent, généralement, c'est des gens qui diffusent, qui ont une petite chaîne, entre guillemets. Moi, j'ai quand même passé plus de 6 ans de ma vie à la faire. Vite. Ok. Comment on fait, là? Ah! Merci! Une catastrophe. Pardon. Ouh, j'ai paniqué. Mais voilà. Non mais c'est la métaphore que j'ai donnée, c'est une métaphore pour que tu puisses bien comprendre la chose, tu vois. Et merci, merci Frankers. Merci beaucoup pour les 500 bits. Ça fait combien 500 bits maintenant? On les met maintenant. 6,84€. Merci beaucoup. Mais c'est staff en fait. Bah, je veux dire merci Frankers, mais c'est staff. Désolé en fait, j'ai lu c'est l'icône qui était mise, je crois. Je suis fatigué. Je suis un peu un mongol. Alors en fait, quand je suis à fond dans un jeu, ça se voit, hein, je suis pété. Merci beaucoup Adri aussi. Merci beaucoup. Et si tu veux, Adri, je vois que t'es Twitch Prime, si tu veux sub à la chaîne, c'est gratuit. Je veux dire que c'est gratuit, que c'est pas gratuit. Mais merci beaucoup aussi, Adri, pour les 100 bits. Tu es numéro 2 cette semaine. Oula, c'est quoi ça? Mais what? Ah d'accord. Et bim. Oh, c'est cool. Petit trophée. On va pas prendre le cœur maintenant. Merci beaucoup, Staff et Adri, du coup. C'est gentil. Oh. Je vais juste me concentrer un petit moment là, pour cette phase. Merci aussi à ceux qui utilisent les icônes quand il y a des dons ou autres. Hein. Je vous vois. Oh oui. Ça tue 4. Y a pas un petit trophée pour ça là, genre. Faut qu'il y a un certain nombre. Il y a un petit peu de monde, j'avoue. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a qui sont au corps à corps, et t'as eux là qui tirent au loin. Samedi, c'est comment? Bah, c'est-à-dire... En plus, je sais même pas qui vient... Non, pourquoi je prends ça? Je sais même pas qui vient définitivement. Oh, faut l'esquiver. D'accord. Tu as vu te calmer.
D'accord, c'est moi qui prends le dégât. Ça, il faut rester simple. Voilà. Toi, c'est fait. Calme-toi. Ok. Une petite esquive. Venez, venez, venez. J'ai l'impression que la roquette a fait moins mal que... La roquette fait moins mal que le fusil à pompe. Alors hein? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Ouf. Ma touche qui reste coincée. Je voulais juste prendre ça. C'est bon, tout est explosé. J'aurais pu me cacher là-dedans. Pire. Attends, je vérifie bien que j'ai rien oublié. Écoutez, j'ai acheté le premier, il a 4€ sur le PSN. Bah oui, franchement, teste-le et la prochaine fois que tu viens, ou la prochaine fois que je suis en live, tu me dis ce que t'en as pensé. Franchement, il est très très cool le premier. Pour 4 balles, c'est donné. Ça marcherait, j'ai vu. Hein. Pour 4 balles, franchement, c'est. T'auras 3 heures de jeu et vraiment très bien. Après, si tu veux jouer en facile au début. Moi c'est ce que je fais dans les jeux Gunscore Cannoli, je joue en facile pour le premier run. Et après je refais en normal, ou en coop avec des gens que je connais. Bah moi c'est la Villette, hein. C'est tout le temps la Villette pour le Community Day. Moi c'est la Villette, c'est à 11h, samedi et dimanche. Christophe je sais que lui c'est pareil, sauf que le dimanche il fait de 11h à 14h après que le lundi il part. Le dimanche faut qu'il fasse sa valise. Lise. Okay. Voilà. Normalement, il y a lui, il y a Chouquette qui va venir aussi normalement. Il y a Yann. Il m'a dit que normalement il va venir samedi. Moi, j'ai des personnes que je connais qui vont venir. Enfin, des abonnés qui jouent au jeu. Je leur ai donné rendez-vous. Il y a peut-être mon frère qui va venir. Mon frère, pas celui que tu as en conversation, un autre. Et puis voilà. Pourquoi je fais pas de live Fortnite? Parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir répondu à la même question. C'est vrai en plus, hein. J'ai l'impression d'avoir répondu à la même question et de la même façon en faisant ce jeu sur PC il y a quelques mois. Tu sais, ça vous arrive pas des fois de des choses qui se passent et tu te dis. Mais ça, je l'ai vécu. La même façon. Là, la question et ma réponse, j'ai l'impression d'avoir vécu dans ce jeu-là. Et voilà. Je sais pas. J'ai une impression de déjà vu. Oh non, pas de Fortnite ici. Hein. Je vous dis. Il y a assez de jeux à faire pour. Bah, mon jeu Fortnite, c'est Battlefront. C'est quand même étonnant que les gens ne se saoulent pas de Fortnite. Enfin, genre, ils en voient partout, mais ils en veulent encore. C'est étonnant quand même. Je suis d'accord que tu peux y jouer et tout, mais de vouloir en voir partout, c'est quand même étrange. Peut-être que tu n'as pas Spyro. Bah, Spyro, je le ferai. Spyro, je le ferai quand il sortira en remaster. En plus, je vais le découvrir le jeu, ça sera trop bien. Ça va être trop bien de faire Spyro. D'ailleurs, il faut aussi que je fasse Lego indestructible. Parce que j'aime bien. Et après, il est court. Il fait 6 heures de jeu à peu près. Tu me fonces pas dessus, là. Ah, il m'a brain. Hein. Il a jeté plus haut que. Et tu sais que j'ai un jeu de Tetris, il s'appelle Puyo Puyo Tetris. Ma mère elle adore jouer avec ça. Des fois quand on joue à la PS4, on joue à ce jeu là. Puyo Puyo Tetris. Ouh.
Je vais plutôt choisir le fusil à pompe. D'accord, je pensais pas qu'il pouvait tirer celui-là. C'est joué. Ah, il peut glisser comme ça! Ça, c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, tu te dis, bon, vu la taille du monstre, il pourra pas se glisser, mais il se glisse. Ok. YouTuber, c'est ton métier? Oui. Rassure-moi, tu trolls avec ton Tetris, Ken. Mais non, il ne troll pas. Bah, Puyo Puyo Tetris, c'est très bien. Faut connaître, mais. Après, il faut jouer à plusieurs en fait. Comme Bomberman, c'est sympa à faire, mais. Bon, les mines, je vais les laisser. Hein. Parce que c'est un ennemi que je dois affronter. Pour le moment. Tu veux pas enlever la... Merci. Voilà. On a réussi. La soubrette, on n'est pas dans un horror story ici. D'accord, je pensais qu'on voulait descendre plus bas. Oui, j'ai répondu oui, c'est mon... On peut dire que c'est mon travail. Oups. Coucou. Bah, je voulais danser avec elle, hein. On m'a toujours dit qu'il fallait être galant. Et ils sont chauds, hein. C'est pas stupide. Alors comment on va l'avoir, lui? Ah, j'avoue. Salut Staff, bonne nuit. Attention, il y en a qui vont te rattraper dans les stats. Hein. Attention. Quelqu'un ici? Mais j'ai bien quelqu'un. Je suis pas fou. Alors, on peut pas descendre. Merci. Non. Ça va bien te faire mal. Ah oui, hein. Au début, là c'est que par quelques milliers, mais après des milliers, plus des milliers, plus des milliers. Qu'avant t'avais une très très grosse différence. Avant t'avais vraiment une. Voilà, t'as quand même une belle différence, hein. Mais par rapport à avant, je trouve que ça peut par contre te rattraper, hein. Bonsoir. Je suis un petit peu triste pour eux finalement. Tu as vu le gameplay de Red Dead? Non, je me spoil plus maintenant sur le jeu. Je veux plus voir de gameplay sur Red Dead avant de jouer moi-même au jeu. Ouais, ouais, il me semble, hein. Bon, 400 000, c'est très 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 large, hein. Mais tu t'es... Du coup, en fait, tu t'es fait prendre 300 000... Et encore, là, je live pas beaucoup, hein. Mais si je commence à reprendre les lives régulièrement... câble, les enfants.
recharge, on a le temps. Enfin, le temps, c'est vite dit. Mais t'es résistante, toi. T'es pauvre. C'est bon. Y'a rien de caché ici. Félicitations à ceux qui progressent. Bon. Après, je sais pas, vous étiez comme avant, je peux pas savoir combien de places vous avez gagné. Voilà. Ah oui, j'ai oublié que cette arme allait trop bien. Nouvelle arme. Et one shot. Enfin, one shot si tu tapes bien où il faut. J'étais dans les 50 avant, je crois. Et là, t'es combien? 32. En fait, pour arriver dans le top 50, c'est facile, entre guillemets. C'est qu'après, c'est dans le top 20 que c'est très dur de monter. Une fois que t'es dans le top 20, c'est là où les places se font. Pas dire très rarement, mais. Oh, ici, je vais plutôt prendre celle-là. Le fléau. C'était une série, ça, le fléau. Oh. Il se fait un kiff, lui, hein. Qu'est-ce qu'il va. Besoin d'un rang pour calculer mon importance pour la soirée. Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas là souvent, mais je sais qu'ils sont importants, et des gens qui sont là et. De toute façon, les gens qui sont importants ils le savent, hein, je pense. Après, c'est toujours bien de voir qui est présent ou pas, tu vois. Le faux, ça. C'est le mec de Marvel. Ah, peut-être. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le fléau, c'est pas Juggernaut, dans son nom anglais, je crois. Genre celui qui fonce, ça tout va là. C'est vrai, c'est vrai. Je pensais pas lui justement. Attends. C'est moi ou. D'accord, faut les vraiment viser. Okay, désolé. Amateur de sucrerie. Bah t'as pas de rank encore parce que bah tu viens d'arriver, faut attendre une heure avant que ça soit actualisé. Moi ce que j'aime bien surtout c'est les gens qui sont pas habitués, qui. Faut comme si qu'ils étaient là tout le temps alors que. Moi je sais tu vois, enfin. Je me dis là qui me prennent trop pour une andouille parfois. Mais c'est pas grave. On dirait la route d'armes dans GTA. Ouais. C'est vrai que dans le premier c'était pas comme ça il me semble. La roue des armes dans le premier, je sais pas s'il y avait une roue des armes. Il y a peut-être qu'ils sont inspirés. Mais tant mieux, il faut s'inspirer des meilleurs. Après c'était Juggernaut. Je me disais bien. Ça me rappelle Deadpool en fait, c'est pour ça. Ils sont roulous. Ils sont rapides en fait, ils mettent pas le temps de recharger quand j'ai besoin. Je sais pas, Mika. Après, comme je dis, chacun est libre ou pas de venir. Hein. Deadpool 2 Nturi, c'était très bien, mais j'ai préféré le premier. Je dirais rien de plus qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas vu. D'ailleurs, demain, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vais mettre un unboxing. Unboxing de Ready Player One. J'ai reçu un buzz kit. J'ai reçu un buzz kit de Ready Player One à 25 exemplaires en France. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir un unboxing, c'est par là ou. On va voir s'il y a un truc. Ah bah, en fait, il fallait que l'œil ici. Que là, j'ai récupéré une nouvelle arme. C'est des gens qui veulent voir un bel unboxing de Ready Player One. Il y a des belles petites choses. Bah, n'hésitez pas à checker la vidéo demain, 17h45.
ce pauvre. Je vais plutôt prendre le. Je voulais prendre le pont, mais. Plus de balles. Mais le. En fait, c'est compliqué de différencier Deadpool 1 et 2, enfin de dire quel est le meilleur, mais c'est juste que le 1 m'a vraiment surpris, Deadpool 1. Quand il est sorti, en fait, je m'attendais pas à ça. Ils ont bien respecté le héros, c'était fun, c'était bien fait et tout. Voilà. Le 2 est à tout de mieux, genre plus de moyens, plus de ceci. Mais en fait, le 1 c'était une surprise. Tu sais, c'est comme beaucoup. Même comme dans les jeux vidéo par exemple. Le 1 tu as toujours préféré parce que bah, ça t'a mis une claque, et voilà. Mais hormis ça, comme je dis, le 2 est très bien aussi. Hein. Bon, en plus, je dis rien dans le truc Ready Player One, mais j'ai reçu un truc. Je dis rien, tu regarderas les deux demain, on en parlera dimanche, normalement, ou lundi pour le prochain live. Mais. Il est sorti en Blu-ray, Deadpool ? Pas que, il est parti en mai. Ça peut être déjà arrivé. Ah, en VQ, ouais, non. Mais la version 4K est sortie de. La version 4K est sortie ou pas? Ou c'est uniquement la 720 à 1080? Maintenant, je sais. On le lit 4K. Genre le mec. Ouais, d'accord, bah faut attendre. C'est pas grave, j'attendrai. Venez, mes petits loups! Lui, il est un petit peu trop posé là, ce qui est en bas. This is not a drill. Oh. La chance. Il dégaine vite, hein. De jouer avec un jeu. Lui. Bien, bien. Man of Steel. En fait, faut se faire tous les films en version québécoise. Hein. C'est un plaisir. Non, moi je dis ça, mais en fait il y a plein de films que j'ai vus en version canadienne, en version québécoise à l'époque, hein. Et ça m'a pas troublé. Et les films en fait où tu. À part les noms de famille où ils vont faire Matthews, voilà, ils vont faire leur accent anglais. Mais sinon, beaucoup de films en fait à l'époque m'ont pas. Ça m'a pas perturbé. Mais t'as des films par contre qui m'ont vraiment choqué. Hein. Ah, ce qu'il faut dire. Mon chum, tout le temps. Oh là, ça m'a saoulé. Moi, j'ai aimé Ant-Man 2. J'ai préféré Ant-Man 2 que le premier. Ouais, j'ai préféré Ant-Man 2. Qui est très bien. Bon, au niveau de l'histoire, comme je dis souvent, le film n'apporte rien par rapport au MCU. Mais j'ai passé un bon moment dessus. Ouais, il était fun, drôle et bien amené. C'est pas genre drôle, oh, c'est drôle au bout de 5 minutes, ça te fait chier parce que trop de blagues, non.
Là, c'était bien. Est-ce qu'il y en a qui ont testé le jeu Défiance ? À l'époque, oui. Mais j'avais testé Défiance. Je crois que c'était sur PS3. Donc, je sais pas si c'est le même jeu. Avoir un petit peu par mes propres tours de passe-passe. Y'a qui là-dedans là ? Personne. T'avais vu ? Bah, après, je sais pas si c'est le même jeu ou si c'est la version PS4 peut-être. J'ai bien aimé hein. À l'époque. C'était un bon TPS. Voilà. Il va pas vouloir se boucher. C'est un bon TPS, ni plus ni moins. Par contre, moi, le jeu que j'attends vraiment, quand j'ai testé, hein, parce que dans ma vidéo, en fait, c'est pas moi qui joue. Je voulais, de toute façon, je l'avais dit, Metro Exodus. Il m'a fait mal à la tête tellement il était génial à jouer. Hein. Moi qui avais adoré Last Light et 2033, y avoir joué sur Xbox One X, j'ai qu'une hâte, franchement, c'est... J'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer. Hein. D'accord. Ah, je pensais que ça allait. Faire un double choc. C'est un peu comme Gears. Non, Metro Exodus, c'est un FPS en vue de première personne déjà. Et c'est pas vraiment comme Gears, c'est un... Je sais pas comment expliquer ça, c'est un... Je sais pas comment expliquer en fait le jeu. Mais c'est un très bon jeu. Je l'ai mis en gameplay 4K sur la chaîne. Et franchement, c'était très 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 bon. Nobody make a freaking move. You with the freak show. What the hell's going on here? You talking to me? You see any other guy dressed up like a freaking nightmare around here? What's with the stealing of those barrels with that zombie poison? I'm telling you right now, that's a bad idea. So what are you monkeys doing here? There's only one monkey here, Mr. Vinny. And that is you. How the hell do you know my name? You don't get it, little man. You came straight to this place, just as we have planned. We have special plans with you back in Germany, so there's no need for violence. If you just come aboard quietly. Oh yeah? You better have a freaking army ready if you want to put me and that thing alive. Have a hide of the... We got about a zillion soldiers. Thank you. Ah, moi aussi je l'attends. Je l'attends pas qu'un petit peu le Exodus. Après, j'ai fait un gameplay hein, pour ceux qui sont intéressés pour savoir ce que c'est, s'ils connaissent pas. Y'a pas de spoil. J'évite au maximum de mettre du spoil dans mes vidéos présentation. Et je suis content. Les vidéos de PES, bah, il y en a une qui a dépassé les 200 000 vues. Il y en a une qui a dépassé les 220 000 vues. Il y en a une qui est sur le point de dépasser les 100 000 vues. Et il y a l'autre qui a dépassé les 50 000. Donc en gros, les 4 vidéos que j'ai faites, bah on peut le dire, elles ont cartonné quand même. Hein. Vraiment, je suis très content. Si j'avais su, j'en aurais fait plus. Non, 4 c'était bien. J'ai été content de les avoir faites et tout. Après, il faut que je remercie aussi les communautés hein, de jeuxvideo.com qui ont. Le forum PES qui ont retweet, etc. Ça fait que beaucoup de personnes sont tombées dessus par hasard. Ouais, ça a été repris par des gens de... Ouais. C'est ça qui a fait le succès de la... des gens de PES espagnol. À chaque fois que je mettais une vidéo, ils retweetaient. Ça fait que plein de personnes retweetaient et tout. Enfin, pas que des retweets, hein, mais... C'était génial. En fait, c'est ce que j'aimerais pour toutes les vidéos, tu vois.
que bah genre dès que je fais un gameplay on va dire exclusif que, mais bon on choisit pas ce qui pourrait marcher. Brutal Legend, parce qu'il paraît qu'il y a le jeu qui est annoncé, je crois que j'avais vu une news sur ça. Je suis désolé, je me concentre deux secondes. Et salut Orthonix. J'aurais peut-être pas dû prendre le cœur tout de suite. J'ai pris le cœur qui était à droite alors que j'étais pas... En fait, j'ai gâché un cœur. Mais bon, on va voir. On va essayer de se le faire. Il va peut-être pas du... Tiens, ça touche pas. À part s'il faut péter ce qu'il y a là-bas. On laisse en prendre le fer. Allez, 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 allez. Voilà. Ça c'est fait. La vie ce bougre hein. Allez, on l'a presque. Voilà. Nice. Phaser de veuve, mais bien sûr. T'en penses quoi du gameplay de Red Dead Redemption 2? Je l'ai pas vu. Je regarde pas, je veux pas me spoil le jeu jusqu'à la sortie. Joe, I just tangled with half a freaking battalion of who are working with this Dark Dawn. Don't know what those weirdos want me for, but I ain't gonna sit here and do nothing about it. Yeah, you was right. We should fly to Europe and kick their asses. You serious, Joe? You do know there's a war going on there, right? Forget about it. You ain't gonna let these bastards get away with this, right? Crap, this thing's getting out of hand here. Listen, I got an old beat-down B-17 in the hangar that could make the trip to Europe easily. We gotta move fast. All right, let's do it. Gotta be kidding me. Vinny, look! The Allies are landing on the beaches of Normandy! We're hit! I don't know how long I'll be able to keep this thing in the air. You're gonna have to jump, Vinny. Well, at least I won't die alone out here. Here I go! Salut Ardo, moi ça va tranquille. Après, comme je dis souvent, ok, c'est vrai que FIFA est mieux. On va pas se mentir, concernant le mode de, enfin, en termes de jeu, FIFA est plus complet qu'un PES. D'accord, c'est vrai. Par contre, là où on voit une différence, c'est que PES s'améliore, alors que FIFA, je veux pas dire que ça régresse. Mais on n'est pas forcément très loin, tu vois. Faut oublier que tout peut changer. Hein. Mais bon, FIFA restera devant. Maintenant, c'est un fait. Je vais pas donner qui parle la guerre. En plus, on est en France. Vous avez vu, on est. On était en Normandie, il me semble.
C'est vrai, hein. Moi, vous me connaissez, hein. Je suis pas pro PES, pas pour moi, je m'en fous complètement. Moi, je joue à un jeu, voilà. Je suis pas un pro de jeu de foot. Mais quand je joue à FIFA, ou je parle des gens qui jouent à FIFA, hein, se plaignent de ceci ou de ceci, de cela. Alors que PES, les gens qui jouent à PES, bah, se plaignent pas, sont contents parce que bah, plus ça avance, mieux c'est. Au final. Souvent les avis négatifs pour un PES, c'est les gens qui jouent à FIFA et genre c'est des frustrés et... Genre « Ah, moi FIFA c'est ma vie, je suis pour FIFA voilà. !» C'est comme ceux qui sont des pro Battlefield ou pro Call of Duty, hein, c'est pareil. Non, Metro est uniquement en solo. C'est un vrai jeu solo et ça fait du bien. Moi j'aime les jeux où tu peux jouer en solo, t'as une vraie histoire. Un jeu où ça va durer au moins 30 heures de jeu. Que les jeux où ils mettent des modes multi pour allonger la durée de vie et qu'au final le solo est bâclé, on va un peu plus. Hein. Oh le petit vilain. Ah mais non, c'est moi qui l'ai ça. J'utiliserai après. Tiens, on a une AK. Il nous reste un beaucoup de balles, mais... Franchement, enfin, j'ai vu la preview de Bruce Gramek. Il y a des bonnes choses qui sont annoncées pour FIFA. J'espère pour vous, hein. Comment, voilà, je joue pas beaucoup à FIFA, mais il y en a qui jouent toute l'année. C'est un peu comme moi pour le jeu de catch. Voilà. Donc j'espère pour vous qu'il sera bien. Pourquoi ils iront si vite? Il m'a canardé. Tu as le tissu quand tu l'as. Non, pour Metro, ils font pas de mode multi. À part si s'ils changent, mais il me semble que quand j'ai posé la question au CM du jeu, ils m'ont dit non. Ils préfèrent faire un bon solo que faire Gear God of War. Y a pas de multi. Et le jeu est parfait. Oh bah ça va, Tissou, merci. I love the commander's uniform. Au moins c'est bien, vous parlez entre vous. Des fois que je parle pas. Au moins c'est bien, vous suivez aussi un petit peu le live. Voilà. C'est cool. C'est vrai que c'est un peu gavant des fois, tu fais un live et tout. Je vois que personne n'est intéressé par ce que tu fais, c'est chiant. En même temps, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de Star Wars, c'était un peu... On va essayer de reprendre les lives où on fait pas mal de découvertes. Pas mal de jeux, c'est le but un peu. C'est quoi ce jeu? C'est Gunscore Academy 2 qui sort le 14 août. C'est un très très bon jeu. Là, je suis en France. Je suis en train de faire la guerre. À des nazis zombies. Des zombies, on ne les voit plus. À voir, il n'y en a pas en France. En fait, Tissou, t'as connu la chaîne. T'as connu la chaîne avec Battlefront. On va dire, t'étais là, voilà. Tu sais que la chaîne, c'est une chaîne de découverte à la base. Enfin, de let's play, de faire plein de jeux différents. C'est bon, là, on se calme. Devoir reprise de Ligue 1. Oh. La Ligue 1 est diffusée sur beIN, que j'ai encore beIN jusqu'au 31 août. Rien. Ah si, ça aurait servi. C'est diffusé sur beIN, d'accord, bah c'est cool. Je vais pouvoir regarder la Ligue 1 alors.
Ah, ça a mangé bien bourrin. Moi, je kiffe ça. Ça, c'est mon style de jeu. Bourrin, où faut un minimum de skill. Enfin, un minimum, voilà. Faut pas être non plus manchot. Avec un peu d'humour. T'as combien de pourcents là? De mémoire, là, j'ai fait la moitié là. J'ai fait une grosse moitié. Il me semble, hein. Oh, une bonne grosse moitié. Salut Marcus, ça va et toi? Oh, c'est bon, je vais juste cavalier. Voilà, on se calme. Les enfants terribles. Mais toi, t'es cinglé! T'es prêt à te tuer pour ton pays? Toi aussi, là, voilà. Il jongle avec. Comment on appelle ces grenades là? Je me rappelle, je jouais avec dans Call of Duty à l'époque, dans World War premier du nom. Nickel. Quoi de neuf du coup? Qu'est-ce qui se passe sur la stratosphère YouTube? Des coups de cœur, des coups de gueule. En plus, j'ai vu que tu jouais à Battlefront 2, mais tu joues pas sur PS4. Sinon, je pourrais te proposer de jouer avec moi. Comme moi, Battlefront 2, c'est mon coup de cœur de 2018. FIFA 2019, on refait un club avec Dodo. C'est vrai? Bah Dodo, enfin... Bah comme je l'ai dit, moi y'a pas de problème, Dodo c'est Dodo. Hein. Mais je pense pas qu'il voudra... Ça serait drôle. Hein. En plus il faisait du sport à l'époque. Si on lui parle mal, il va nous défoncer maintenant. Non, ah tu joues sur PC? Bah moi je suis sur PS4 moi, Marcus. J'ai le jeu sur PS4 et sur Xbox One. Franchement, quand je te vois jouer, j'ai envie de jouer. Moi après, je joue beaucoup en escarmouche. C'est le mode de jeu, on va dire c'est un match à mort par équipe. Et c'est vraiment mon jeu, sans être prétentieux, je joue bien au jeu. Et j'ai vu que tu jouais bien aussi, donc coup, ça aurait été cool de pouvoir play un petit peu, toi. La bêta de Black Ops 4, oui, moi j'ai bien aimé. D'ailleurs, ce week-end, il y a encore la bêta. Il y a une nouvelle... C'est ce week-end la deuxième bêta ou pas? Parce que si c'est ce week-end, je pourrais pas jouer malheureusement, vu que je serais en plein Pokémon Go. Ah, t'as descendu la PS4. Oh, mais non, la PS4, c'est la vie. C'est la vie, la PS4. Faut jamais laisser tomber la PS4. Moi, dès que j'ai le choix... Bah moi j'ai l'Xbox One X aussi. Xbox One des jeunes gentils me l'avait offerte à l'époque. Mais en fait moi dès que j'ai le choix entre... Dès que j'ai le choix entre la Xbox et la PS4 en termes de jeu, hein, à part les exclusivités, bah je joue sur PS4. Là où d'autres personnes vont jouer à la Xbox One. Toi t'essaies de me brain hein. Ah, va voir avec ça là. Je crois qu'il était ici lui. Ouais. Je suis désolé. Bah, j'ai pas de code donc je peux pas jouer. Non, mais je crois que c'est au week-end. Ce week-end c'est pour toutes les plateformes PS4, Xbox One et PC, mais je crois que c'est gratuit. C'est pour tout le monde. Là c'est ouvert non? À moins que je me trompe. À moins qu'ils ont voulu faire un truc spécial pour PS4 avant et que maintenant. Ouais, t'as bien raison, Marcus. Moi, c'est pareil, mais c'est à l'inverse. Après, des esprits Xbox, t'en as pas vraiment beaucoup. Enfin, ce qui est chiant maintenant pour les esprits Xbox, bah, ça sort aussi sur PC, du coup, bah. Va pas les faire sur PC.
On se débrouille bien depuis tout à l'heure. Hein. Il fallait que je dise ça pour. Et on se calme avec vos mortiers là. Oh, ils ont mis. Attends, il y avait un truc là. D'accord. Vous êtes un peu chiant vous messieurs. Je préférais les zombies hein. Ouais, ce qui est chiant c'est qu'avec les mortiers j'ai pas le temps de regarder le chat. Bon, bah avec ça, je rentre à moi. Laissez-moi juste quelques instants. Attends, je vais d'abord m'occuper d'eux. Venez messieurs. Et maintenant, on a ça. Put. On recharge. Et voilà. Salut Urak, ça va et toi? Moi ça va, Viprak, si tu te poses la question. Salut Android. T'as déjà eu un game over sur ce jeu? Non. Bah, pas pour l'instant en tout cas. J'arrive à bien gérer pour le moment. Mais ça va pas tarder. Ah. Oh, il est beau le chien. Comment ça s'appelle les chiens qui sont comme ça? T'es là, le chien là derrière. Sur la... Comment on appelle ça au niveau d'un avion? Mais ce chien là il m'a toujours... Pas fait rire mais... Il a toujours une tête triste en fait. Comment on appelle ça? Je dis si j'ai un chien, je veux un chien comme ça. Comme ça, je le réconforterai tout le temps. J'aurai l'impression de me rendre utile. Salut, Wannabe. Well, nice to see a familiar face around here. Mr. Cannoli, how convenient of you to invite yourself. This time, you will not escape. I ain't going nowhere, pal. Now tell me where my pilot is, or there's gonna be pieces of you all over France when I'm done. You mean Joe Barista? I think he will be enjoying his pension somewhere in the Bavarian mountains by now. He has done very well. What are you saying, Fritz? You stupid little man. Joe has been working for us the whole time. What? So that's why he was so eager to send me to Thugtown and fly me to Europe afterwards. That freaking bastard! Exactly. Now, if you could be so kind as to drop your weapons and come quietly, there's no need for violence. But we will use force if necessary. We'll see how much force you'll be needing to crap out the amounts of lead I'm gonna pump into your gut. I've had just about enough of your uneducated behavior. I will take you down myself, personally. Bah t'as vu Mika, Marcus il a confirmé hein, la bêta pour Call of Duty, c'est pour tout le monde, plus besoin de code. Bah si je suis dispo, que je suis pas à la Villette pour Pokémon Go, si tu veux qu'on y joue ensemble, et s'il y a des gens qui veulent jouer avec moi, des habitués, ou des collègues ou autres, Call of Duty je suis pas le plus grand des joueurs, mais pas besoin d'être fort pour passer un bon moment. Et il fait 22 degrés en ce moment chez moi. J'ai vu ta question, excuse-moi, j'ai oublié de répondre. Et pour moi, le meilleur jeu, c'est pas The Last of Us, c'est God of War. God of War PS4, c'est une tuerie, c'est God of War hein, en même temps. C'est ce qu'on devait attendre de God of War. Après, les deux se comparent pas parce que c'est pas le même style. Et si on doit choisir un jeu. Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut plutôt ça. Attends. Pourquoi je prends pas ça? Oh, d'accord, on l'a pété. Alors là, vous voulez jouer à la roquette? Ah,
Ah non, on s'amuse. D'accord, vous. C'est moi ou le truc du jeu a bugué là, enfin la boule. C'est fait exprès peut-être, je sais pas. Non, ne la prends pas. D'accord, donc ça va être bugué. Et voilà, tranquille. Bah oui, Tissou, bah si je suis là, moi en fait, faut me proposer. Quand tu me vois en ligne, parce qu'en fait, faut pas m'envoyer des invitations sur la Play, parce que je vois pas. En fait, je les ai enlevées. À l'époque de GTA, tout le monde m'invitait pour rien et tout. Mais quand il faut m'envoyer sur le Discord, nous dire, même m'envoyer en plein salon, hein, genre, ma sœur t'es chaud pour un Black Ops 4. Après, peut-être que des personnes auront envie de jouer et vont me proposer. Moi, quand j'avais dit à Cyprano à l'époque, on a mis un vent, hein, s'il kiffait le jeu, c'était pour dire, bah tiens, viens, on joue ensemble. Mais vu qu'il a pas répondu, qu'il m'a laissé seul. J'ai pas proposé à Coco qui jouait avec ses potes youtubeurs. Il a pas dit Nassar, tu veux jouer avec moi. Il était avec ses copains. Bah ça, il n'existe plus hein, quand il y a des copains. C'est Costat. Après, il faut être habitué au live pour qu'on joue ensemble, par contre. C'est la seule demande que j'ai. Parce que sinon, j'ajoute tout le monde et... Ça sert à rien après, sinon. Non, mais je sais qu'il a pas vu. Je me suis pris un vent. Ah voilà, chasseur d'allemand. Cool. Par contre, je préfère avoir un fusil d'assaut dans le jeu. Fusil à pompe, c'est très bien. Je pense avoir répondu à tout. Mais Black Ops, franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais faut juste être rapide. Voilà, c'est un Call of Duty. Quoi. Je suis trop habitué à Star Wars avec des bonobos qui savent pas viser. On peut pas passer par là. Attends, d'abord je vais m'occuper de lui là. Un petit peu chiant. Je vais lui donner un coup de pied, finalement. Ouais, bah t'es Vibract, je sais pas s'il est toujours là, Adri. Il a dit la même chose que toi. Et c'est vrai. Non mais comment elle est faite? Comment ils ont fait comme ça? On dirait que c'est la même. Non, moi je suis d'accord. Après c'est vrai que GTA n'a pas inventé la roulette d'armes, mais encore, j'ai pas de quoi prouver ça. Mais je suis d'accord avec eux dans le sens où ça ressemble pas mal. Pas quand j'ai rien fait, ok. Très bien. Bonne nuit, Tissou. This is not a drill.
Attends, faut que j'apprenne à viser moi aussi. Ah, il y a un clocher. Je suis sûr que le clocher. Pour qui sonne le glas? Et salut Wanabi, je sais pas si je t'ai dit bonsoir, peut-être pas, je m'excuse. Des fois quand c'est une cinématique, je fais pas forcément. Enfin, je parle pas durant les cinématiques. Ça sent le petit combat à plusieurs. Non. Je reviens, sinon bonne nuit. Ok, bonne nuit Turpinette. Il rate même pas le jeu en entier alors qu'il a demandé le live. Bravo. Même quand je l'avais fait sur PC, il était pas resté jusqu'à la fin. Ça demande des jeux, ça demande des lives. Et une fois que je l'ai fait, bah ça part. Je laisse la surprise. Moi, ça me laisse seul. Attends. On va venir. Ouais, on peut pas se mettre dans l'autre sens. Par contre. Ah oui, en fait, on a les deux sens. Ça, c'est cool. Là, ça... Je suis désolé, mais vous avez pas de chance. Hein. Ah. Voilà une chose qui fait plaisir. Je vois qu'il y avait un truc qu'il fallait pas se faire tuer. Toujours le même, hein. En fait, vu qu'eux ils sont au corps à corps, faudra pas que ce soit la priorité. La priorité, c'est eux là qui sont au fusil. Et voilà, c'est gratuit. Au pire, j'aurais pu me mettre là. J'aurais peut-être pas eu le même champ de vision, mais. Non, mais c'est pas grave, parce que si tu vas modérer un autre live, tu vas rejoindre Aurélien. Hein. Qu'il allait faire. On va bien défoncer. On continue avec celle-là. Hein. Il mérite peut-être que je les crame aussi. Hein. Oh, non, on va éviter de jouer au fou là. Alors attends. Arrêtez de me tirer des trucs. Voilà, le temps que je fasse ça. Je crois que c'est rapidement. C'est chaud, hein. Le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Poupitir. C'est un jeu de marionnettes. C'était pas une blague. En plus, vous devriez tous l'avoir fait, vu qu'il était gratuit à un moment sur le PSN. Très bon jeu. Je rêve d'une suite, ou d'un remake, ou d'une version HD. Allez, salut. Je savais pas que c'était la fin, mais bon. Attention, si vous ouvrez, vous êtes mort.
Débile. Voilà. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Attends, on va essayer de les cramer un petit peu depuis tout à l'heure. J'ai jamais cramé vraiment. Ok. On peut les cramer, c'est bien, mais ça fait gaspiller pas mal de. Pas mal de vie. Moi, c'est bien, je les entends crier. Ah! Attends, je vais aller tout au bout là, j'ai pas été. On va pas aller ici, je pense. Parce que c'est. Ça semble bien bon. Non, il y a beaucoup de chargements, enfin beaucoup de chargements. Il y a pas mal de chargements comme ça qui sont pour. Vous savez, ils sont pas longs et. De toute façon, je lui pardonne tout à ce jeu. Il est magnifique. Il y a aussi une qui vient. Genre. C'est bon? Ah, mais c'est pas bon encore? Moi, le Stars aussi pour. C'était mon meilleur Sensro. Le 3. J'ai adoré. C'est là où ça partait un peu en cacahuète. Mais ça allait encore. C'était pas trop. Pas trop. C'était vraiment très sympa. Hein. Le 3 était. C'était vraiment très très bon. J'ai bien rigolé. On se calme. Tu l'avais fait sur PC, Marcus? Que là, ça va sur PS4. Moi, dès que les développeurs m'ont envoyé un mail en disant version PS4 disponible, j'aurais fait. Enfin, il n'est pas encore dispo, qui sort le 14. Moi, j'ai adoré. Hein. J'aurais bien voulu le faire en coop pour voir la différence. Le 1 était très bon déjà. Moi, j'ai bien aimé. C'est... Bon. Je parle, mais je me fais prendre de la roquette. Le 1 était très très bon, et dans le 2, en fait. Bah, moi aussi, ouais, je l'avais fait sur PC. Je l'ai fait sur PC et vu que j'ai adoré et que j'aime bien avoir des trophées, j'ai demandé une version PS4. Si t'aimes bien les jeux comme ça, je te conseille Creepy Road. J'ai fait une découverte, si tu veux regarder ce que c'est un petit peu. Ou tu regardes juste sur YouTube, sur Google. Creepy Road, c'est le même style. C'est beaucoup plus indépendant. Genre en gros, le jeu est un peu moins bien fait. Mais c'est très drôle et c'est un jeu à la Metal Slug, bah, c'est le même style, tu vois. Vraiment très sympa, Creepy Road. Du moins la découverte que j'avais faite, le début du jeu, les 3 premières minutes, j'avais bien rigolé. Allez, arrêtez! J'ai l'impression que vous êtes tous dictateurs là. Voilà. Vous savez quoi? Vous méritez, c'est ça. C'est de mourir! Ouais, ça, moi je te conseille, hein. Et normalement, les développeurs ils filent des clés facilement. Bah, s'ils ont filé à moi, y'a pas de raison. Ouais. Les jeux de Batman, ah oui. Vivement une nouvelle trilogie. Beaucoup de personnes avaient estimé. Enfin, estimé. C'est pas vraiment le mot qui est bon, mais. Beaucoup de personnes avaient pensé qu'il y aurait un Superman de Rocksteady. Ceux qui ont fait Batman, justement. Malheureusement, non. Moi j'avoue, j'aimerais bien une nouvelle trilogie de Batman. Même si le dernier, Arkham Knight.
m'avait un peu moins plu, mais était quand même très très bien. Salut Trixou, comment ça va? Après Marcus, si tu cherches des jeux, je peux t'en conseiller. C'est vrai que là, c'est un petit peu un moment mort. Mais là, dans 6-2 semaines, tout reviendra dans l'ordre. Écoutez-vous d'être du coup dans notre gaming parfois. On se calme les enfants. Et merci Trixou pour les 300... Excuse-moi, j'ai pas vu. 94 bits. Fais-moi penser à te rajouter après dans le... Dans le donation du mois. Parce que je te montre à ce niveau-là. Merde. Ah, ça dépend, Odin. Il suffit que Warner Bros. Mette un petit peu de monnaie et voilà. Même si eux, ils s'en foutent un peu de l'argent, eux, ce qui leur intéresse, c'est de se faire plaisir, ce qui est tout à leur honneur. On verra. En tout cas, je suis pour. Je veux des jeux Superman. Ouais, parce que ça... En fait, je pense que c'est dur à faire un jeu Superman. Dur dans le sens où, voilà, c'est un personnage qui vole, etc. Quand tu vois ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait à Spider-Man, là, c'est plutôt bien, donc... Faut voir. T'as regardé le gameplay de Red Dead? Non. Comme je dis, je me spoile pas sur le jeu. En fait, j'ai vu les gameplays, ce qu'on a vu il y a quelques mois, enfin, les cinématiques. Maintenant, je regarde plus. Je vais pas me spoil, en fait. C'est con, hein, c'est vrai que c'est peut paraître bizarre, mais je me dis, voilà, je découvrirai un peu par moi-même. Je veux quand je joue au jeu, bah tiens, c'est trop bien de faire ça. Il y en a plein qui vont dire, oh mais ça, on l'a déjà vu dans les cinématiques. Je fais, what? J'ai jamais vu ça. D'accord. C'est nouveau ça, j'ai jamais vu dans la version PC. C'est le lapin de Pâques, ok. On peut rien faire. D'accord, oh le pauvre. Je l'avais pas vu dans la version PC. 3 gigos, ok Mika. Ou un Green Arrow, non Green Arrow c'est pas assez populaire, je pense hein. Si on. Enfin après s'ils le font c'est pour l'argent et Green Arrow. Je pense pas. Hein. Détrixou, tu viens quel jour alors? Enfin, si tu sais précisément. Peter Staff, il a demandé. Avant qu'il dorme. Je fais des bêtises. Ah oui, d'accord. Il a pas vu. Ça me dit, ok. Moi samedi je pars de chez moi vers 10h. Ça va le samedi encore, ça peut aller samedi qu'il y a pas mal de bus. Et de tramway, le dimanche il y en a beaucoup moins. Oh non mais après pour Superman en termes de jeu, hein, c'est facile à faire. Hein. Des ennemis charismatiques que t'as dans Superman, s'ils ont fait un jeu Batman, ils peuvent très clairement faire un jeu Superman. Hein. Comme un jeu Flash. Un jeu Flash, ça peut très bien se faire. Hein. Vu le nombre d'ennemis qu'il a, qui sont stylés et tout. J'aime bien la musique, là. D'ailleurs, oubliez pas, hein, là je vois des mafieux et tout, Mafia 3 est gratuit sur le PS Plus. Et même sur Xbox One, il y a beaucoup de jeux gratos. C'est écrasé pas mal. Il y a beaucoup de jeux gratos sur le Xbox Live qui sont très bien. Je pense que ce mois-ci, le Xbox Live a fait carrément mieux que la PlayStation. C'est gratuit, hein, donc allez-y. Si vous avez le Xbox Live ou le PS Plus. Ne t'inquiète pas. Oui, non, mais j'ai rien envie de voir, en fait. J'ai envie de tout découvrir tout seul. J'ai pas envie. Voilà. Même s'il montre pas grand chose, il montre trop déjà. Je m'étais spoil avec GTA. Là, j'ai pas envie de savoir qui. Je sais même pas qui est vraiment le héros. Je sais même pas s'il y aura de la chasse. Je sais même pas s'ils ont montré du multi.
S'il y a, je sais pas le système de visée comme ils ont, s'ils l'ont changé ou pas, je sais rien. Et c'est justement ce que je veux rien savoir. Il y a beaucoup de jeux à faire pour avoir, pour se spoil ce jeu-là. Je trouve, après, ceux qui se spoil, bah, vous avez raison, que c'est, il a l'air d'être terrible le jeu. Mais je sais pas, je préfère bien garder la surprise. Comme je dis, beaucoup trop de jeux pour se spoil. J'ai même pas envie de test. Pourquoi? Mais il est bien Mafia 3. Bon, après, il est bien gratuit. Moi, je l'ai fait le jeu, je l'ai bien aimé. C'est gratuit, c'est un GTA-like, on va dire. C'est sympa à faire. Hein. Moi, j'ai bien aimé Mafia. C'est vrai que techniquement, voilà, pas mal de faiblesses, mais. Vinny? You still running around? You two-faced bastard, I know what you did! Yeah, well, a man's gotta do what he's gotta do to make a living, right? They paid me a lot of dough to get you here alive. I hope you got to enjoy every penny of it, Joe, cause the hammer goes down right now. I hope you got armor, Vinny, cause I got tons of it. Okay, alors. Bah t'as raison Oda, Spider-Man va être très cool. J'ai bien aimé toi aller jouer, mais c'est tout, hein. C'est gentil. Non, moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé Mafia. Après il y avait beaucoup de défauts, hein. Ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Qui fait que le jeu était pas vraiment excellent. Aucun problème avec ça. Mais moi j'ai bien aimé. Après voilà, les goûts et les couleurs de chacun. Il y a peut-être des jeux que vous appréciez, que moi je suis nul, quoi, c'est... J'ai pas vu qu'il y avait un deuxième. Vite, vite. Désolé, là c'est le boss, hein. Oh, d'accord, j'ai vu. J'ai vu où est-ce qu'il était de base. Oh. Pardon, j'ai un peu gueulé. Vous auriez pas un peu de comment dirais-je, de son? Alors on se concentre, on va essayer de faire un one shot. Vise en haut, mais tant mieux. Un peu de soin, ça fait qu'on va être à l'aise. Ça va récupérer des mules. Hop, tranquillou. Oups, c'est un peu haut. Non, ça va. Allez, je garde là, cette arme pour la fin. Je vais finir avec celle-là. Bon, on va finir aux pompes, hein. Et voilà, merci beaucoup. Par contre, merci beaucoup, il y a un S ou pas à la fin? Peut-être beaucoup de merci, je sais pas. Bon, on a réussi du premier coup, hein. C'est cool, je suis content. Je sais que sur PC, on n'avait pas réussi du premier coup. Vinny, give it up, Joe. You're done. Vinny, listen. Go back home while you still can. The Dark Don is waiting for you up there. Let's not disappoint him then. I'm telling you, this guy is nuts.
He and his men took over that secret base. He's building an army of those uncontrollable monsters in order to enslave the world. And he needs you to complete his plans. What's this guy's beef with me anyway? Except for a few pounds of lead. I got nothing to offer this prick. It's your blood, Vinny. He needs your blood to make an antidote for the poison he's about to unleash. After the Thugtown incident, the government released a report that stated you were immune to the zombie poison. You survived because you couldn't get infected, and that's what makes you so important to him. What? How's that possible? Perhaps from stuffing your face with all that cannoli all the time. Who knows? Oh, good one, Joe. How about if I stuff your face with an 88 shell, huh? Ah! I'll make sure they put all your pieces in the same coffin, Joe. Ça, j'aime bien. Faut pas te piser dans la vie. Ouais, moi aussi j'aime bien les animations. Franchement, le jeu, pour un jeu indépendant et tout, il a tout ce que j'aime. Hein. Il s'est bien fait défoncer par contre. Hein. On est sûr qu'il est mort. On le reverra pas dans le troisième. Ah, des rats. Faut dire que c'est des rapaces des pigs. Et oui, Trixou, normalement, tout à l'heure on voit cinéma du coup. Désolé pour aujourd'hui. Hein. En fait, j'ai très très mal dormi. Dans le sens où je m'étais fait réveiller par les orages. Du coup, en fait, moi, dès que j'ai le sommeil qui est coupé, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Donc. Je vais m'en faire une BD. Ah, peut-être. Je vois pas laquelle, mais... Samy et les gorilles, d'accord. Je connais pas du tout. Le carnage. Bah, je sais. Je pense pas, non. Après, tu vas partir d'ici là, je pense. On est pas loin de la fin. Hein. Ça, c'est le dernier arc, si je dis pas de bêtises. Fait mal lui hein. En même temps j'ai un peu joué avec lui. Oh, j'ai mal dormi, de toute façon, pour aujourd'hui hein. Au pire, de toute façon tu pars que lundi, du coup ça ne reste pas. Mais j'aimerais bien moi aussi. Au début j'étais pas très hype, mais voir le film du super-héros là. En plus je crois en plus, bah je t'ai pas dit ça, mais Nadir normalement vient peut-être avec nous samedi à la Villette. Watch Dogs 3, ça serait tellement bien. Moi, j'ai pas aimé le 2. Enfin, quand je dis j'ai pas aimé, en fait, c'est que je me suis ennuyé sur le live. Ah, d'accord, c'est quoi ça? Très bien. Je me suis ennuyé sur le live. Et du coup, bah, j'ai pas continué le jeu. Mais peut-être qu'il est bien, en fait. Peut-être que j'ai jugé le jeu à tort. Le Watch Dogs 1, j'ai bien aimé. Mais j'ai arrêté, parce que voilà, à l'époque j'avais pas envie de le continuer. Le 2, je l'ai arrêté en l'ai fait en live et je sais pas. Oh, j'ai fait une double. Oh, une double tout. J'aime pas trop le bruit des rats qui meurent là. Quel est le prochain jeu que tu feras en stream? Bah, il faut me proposer. Bah, comme j'ai dit, là celui-ci je voulais le faire parce que je kiffe. Mais s'il y a des jeux qui sortent ou qui sont sortis, que j'ai fait en découverte et que vous aimeriez bien voir une suite, bah, il faut me demander. Oh, il m'a tué. Oh, je voulais pas mourir durant ce let's play. Zut. En plus, c'est une mort bête que j'aurais pu le tuer facilement, mais... un jour. En fait, le tuer facilement, c'est ça. Tu te mets devant lui, tu le pompes. Prey, j'ai pas aimé. Bah, je voulais mourir avant que tu partes du live.
En plus, c'est mort bête. Je sais comment faire pour ne pas mourir. Oh, j'aurais pas dû prendre la vie maintenant. Mais recharge. Putain, mais 3 heures à recharger. J'aurais dû faire ça tout à l'heure avec eux. Attends, il m'a mis un molard. Un bon molard de rat là. Genre Martin m'attaque au corps à corps, il veut pas. Voilà. Voilà ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Wolfenstein 2, il me semble l'avoir déjà fait. Hein. Ah, Megaman, ah non. J'ai pas fait de découverte de Megaman, il me semble. Il me semble pas, non. Ça, c'est pas. Pourtant, c'est le même style que ça, pratiquement, mais. Megaman, c'est pas. Par ma tasse de thé. Ok, alors on va les laisser. C'est difficile, mais je vous dis, si je dois faire un genre là, il faut que j'en fasse un qui me plaît, parce que sinon ça me fait grand chose. Ça me laisse du temps de le faire comme ça. Ok, allez. Attends. Peut-être qu'il faut passer par dessus. Ouais, en même temps, j'essaie de sauter, mais en fait, ça sert à rien de sauter. Si on part au-dessus. Ah, faut passer par là en fait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas vrai. Ouais. T'as fait un gain sur Tuki 19, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais calme-toi. Bien sûr. Ah, d'accord. Ah, il faut que je revienne en... Ah bah oui, bien sûr. Et comme par hasard, lui, il arrive facilement. Hein. Ah bah oui. Vu que je tire loin, ça fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, maintenant tu meurs. Restez chez vous, les rats. Oh, le petit salopard. Au-dessus, il y avait un... comment on appelle ça? Pour le feu, là, mais... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah voilà, un checkpoint. C'est pas full, mais bon. Merci Ikaz pour le follow, j'ai oublié de dire merci. Enfin, tu dois être là, mais... Allez. Je vais... me faire du mal. Qu'est-ce qu'on a enlevé en fait? Il faut passer par là. Hein. Mais le feu ça brûle. Mais toi,
Bonne nuit, Mika. Bon, heureux de t'avoir rencontré. Bah, bonne nuit, Odin. À la prochaine. C'est quoi, quoi. C'est bon, vous êtes tous morts. Alors, comment ça se passe ici? J'avais pas besoin de faire ça. On descend, fusil à pompe, bim. Oups. D'ailleurs, en plus, c'est-à-dire que si demain, Triso, on sort, faut que je prépare mes vidéos en avance. Je vais les préparer en avance. Je vais faire en sorte d'avoir mes deux vidéos pour demain. Enfin, pour mercredi, quoi. Brûler, Satanas! Alors, comment ça se passe ici? Ah oui, d'accord, je me rappelle. Font la guerre, c'est une bonne chose. Quoi déjà? Hop. Vacant. Il est passé où lui? Voilà. On a eu assez chaud. Qui me tire dessus tout à l'heure là? C'est puissant. Ah d'accord, je dis, c'est un peu plus puissant. Des balles que je prenais. Fais gaffe. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est devenu bien calme depuis que certaines personnes sont parties. Vous vous reposez, c'est ça? Vous regardez silencieusement? C'est pas plus mal. Non. Non, non, s'il te plaît. Mais juste pas ce coup-là. Pas très résistant lui, mais qu'est-ce qu'il est relou. Alors, ça c'est pas mal de voir ce qu'il y a. La, 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 la. Attends. Je pensais pouvoir me retenir.
Salut. T'es quoi au cirque? Il est trop dur. Non, le pas du tout. Franchement, il est pas... Il est exigeant par moment, mais ça va. Enfin, je trouve, hein. Sinon, je m'en sortirai pas. Je trouve que la difficulté, elle est pile poil comme il faut, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être un poil compliqué par moment, mais... c'est pas... Peut-être qu'on peut jouer à 4 en plus, en coop. C'est vraiment être drôle de le faire en coop. Ça fait du bien de changer un petit peu de Battlefront. Hein. C'est vrai que j'en avais fait tellement que... Il va tirer à fond. Faut le voir que j'arrive à le tuer sans me faire tuer. Même lui. C'est une doublette. Assez content. Non, 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 non. Je me fais avoir comme un bleu. Ah mais là, c'est pas possible les gars. Bon, allez, allez là-bas. Oh mais genre. Comment il a fait pour revenir? Non, ça se fait pas comme ça, c'est sûr. Là par contre, oui, ça commence à être un peu chaud. Enfin, en fait, les rats, faut les brûler. C'est sûr. Des rats brûlés. Ah. Est-ce qu'il y a un truc humain? Pour un petit jeu, ça envoie la... Bah, franchement, pour un petit jeu ouais, qui est indépendant, je trouve que comment il est fait, moi je trouve ça génial. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais. C'est pour ça que moi ce type de jeu, j'adore le diffuser sur YouTube et sur Twitch. Parce qu'il faut que ce genre de jeu soit vu et se vende. Enfin, c'est sûr que les gens, voilà, ils vont se dire, ah, c'est nul, hein, hein. Mais non, il faut vraiment... En fait, plus ça se vend, plus on aura de suite, plus les gens vont se lancer. Que pas mal de personnes aimeraient faire ce même type de jeu, mais ils se lancent pas parce que... Ils savent qu'ils vont pas marcher, et voilà. Pourtant, moi, je trouve le jeu est vraiment amusant, enfin... Il y a pas mal d'ennemis variés. Je trouve ça cool. Qu'il allait arriver par là-bas. Ouais, c'est quoi ça? What? C'est un carlin? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah, regarde, voilà, Mika il est parti, il a loupé le moment où il y avait le chien. Vas-y, je tombe, on verra ce qui se passe. Hein. Ok. Très bien. D'accord. Attendez, je vais retenter de sauter. Je vais voir si c'est un fail ou si c'est la mort qui me guette. Attendez. Il y a un truc à faire ici, c'est sûr. Ils ont pas mis un chien qui court. Et ça... En plus, en bas, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait un ballon. Vous connaissez pas le film Ça ou It en anglais avec le clown?
Eh bien, c'est le même truc, c'est le même principe. Un clown dans les égouts. Mais il y a... Regarde, là, le chien, il est con... En fait, non, on a arrêté ça, c'était pour le chien. Si vous avez remarqué, le chien n'arrêtait pas de courir, et quand on a fait ça... Non, 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 je pense que si on va en bas, on meurt, en fait. Mais, petit easter egg assez intéressant, je l'ai pas vu dans la version PC. J'ai pas fait gaffe. On a vu une mort plutôt cool. Enfin, cool pour vous. Pas vraiment pour moi, mais... Ouais, de Stephen King, ouais. Bah, j'ai beaucoup aimé, hein. Le nouveau, ça, là, qui est sorti, était vraiment très sympa. N'hésitez pas à les voir si vous aimez les films de ce style. C'est pas trop peur, hein. Franchement... Il y a juste une fois que j'ai sursauté au cinéma. En fait, c'est le son qui me fait... Pas qui me fait peur, mais qui... quand le son est fort, bah... En fait, il sursaute. Merde. Mais Evil, j'ai une question. T'es pas pote avec Sid? Que je crois que t'avoir vu sur d'autres lives. Je sais plus très bien, mais... T'as témoigné mes souvenirs, c'est compliqué de... Mais que... Mais toi, là. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Est-ce qu'ils vont vouloir ouvrir la porte? Ah d'accord, en fait... Là on est descendu tout à l'heure en version rapide où on est mort, c'était à gauche. Et je sais pas. Peut-être qu'on a fait un truc qu'il fallait pas. Oui, sur notre chaîne Twitch. Lesquels par exemple? Juste par curiosité. Je crois vraiment, ma mémoire ne joue pas beaucoup des tours. J'aimerais bien descendre. Mais j'ai peur que si je descends, je meurs. Mais et, comment on peut savoir si on teste pas? Ouais. C'est bien le Easter Egg de ça. Là, on est sûr. Parce qu'il y a le ballon. Et il y a le petit bateau qui représente le bateau de... du frère, du petit frère de... entre guillemets, héros. Je me souviens plus de son nom, mais... Maintenant, j'en suis sûr. Alors, j'avais pas vu le bateau. Oh, le pauvre rat. Tellement gros, il arrive pas. Sir Thomas... Oui, je connais. Même quand il jouait avec sa femme. Non, c'est juste que j'ai du devoir sur d'autres lives. Bah aussi, j'ai, comme tout le monde, hein, je regarde plein de lives. Que souvent les gens pensent que... souvent les gens pensent que... Si tu fais des lives, tu regardes pas de lives, voilà. Ou si tu fais YouTube, tu regardes pas YouTube. Alors aussi, au contraire. Tu peux t'inspirer d'eux dans la bonne façon, pas plagier mais t'inspirer. Et ça fait du bien de passer du temps à regarder les vidéos. Si j'aime bien, je vois souvent ces lives. C'est posé. Bah c'est adulte on va dire. Parce que bah c'est des personnes, je vais pas dire âgées, parce que c'est pas le. Ils sont pas âgés du tout. Mais ils sont plus âgés que la moyenne des gens sur Twitch. Comme moi par exemple j'ai déjà 31 ans. Je suis beaucoup plus âgé que la moyenne des gens sur Twitch, tu vois. Pareil sur YouTube hein. Dans le gaming en tout cas. J'ai eu chaud hein. Ah c'est un dev, j'étais pas au courant. Après je le connais pas plus que ça, parce que souvent je regarde ses lives, mais après je regarde et... Souvent en fait je regarde des lives, ce qui m'arrive très souvent. C'est quand j'entends... En fait quand je fais mes montages sur YouTube, enfin quand je fais mes rendus de montage, et que je dois attendre sans rien faire, bah, je regarde des lives. Et je regarde des lives... Comment dire? Je regarde des lives avec de la musique. En fait j'écoute pas forcément ce qu'ils se disent. J'aime bien. Ah, j'aurais dû les laisser s'attaquer. Je vais laisser le cœur ici.
En fait, si je le prends, je vais l'utiliser pour rien. Mais je vais l'utiliser si, si j'en ai vraiment l'utilité. Voilà, on va essayer de récupérer un max de munitions. Ça va, on a 3 cœurs. Je vais garder cette arme-là pour le moment. Pas évident pour ce genre d'énergumène. En fait, faut se mettre au corps à corps avec lui. Quand tu te mets au corps à corps, c'est bien, parce qu'il te, il te balance pas, mais je me retrouve toujours à être... Et là, ça va, je peux les cramer. Qui veut du rat? Barbecue de rat. du bon rat bien. Quoi? Sur eux, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ah ouais, non, il fallait quand même que tu crames. Tout ça, je vais dire. D'accord. Ah, félicitations à lui alors. Moi j'aime bien de sa façon de faire et tout, du coup, bah, on lui souhaite tout plein de réussite, hein, même si je le connais pas personnellement. Mais... Pas parce qu'on connaît pas que. Qu'il faut être. Que souvent les gens sur Twitch, ils aiment pas sauter bonne chance aux autres. Genre, moi je suis sur Twitch, je veux pas que les autres réussissent. Oh, c'était ce qui va. D'accord, d'accord, faudra me faire spawn kill. Alors là, ils étaient à 2 et ils m'ont détruit. Là, par contre, Bibu, t'as raison. Là, c'était un petit peu difficile. Mais c'est juste parce que. C'est chiant s'attaquer à distance. Au corps à corps, comme je dis, ils sont prenables hein, très facilement. Mais il faut de la difficulté parfois. Hein. Eh, ils sont venus. En fait, quand on esquive un, l'autre il te balance directement. Au final, tu te retrouves avec une série de roquettes. Après, tu peux tirer dessus, c'est vrai. Souvent, j'ai oublié de tirer. De toute façon, là maintenant j'ai cette arme là. Celle-là, elle est très puissante. Pas toi, faire ça là. Ça c'est la strat. Si je fais ça sur tous. Mais il sort par tous les trous. Voilà, non mais oh, toi avec ton boulet. Là, il y a l'autre qui est arrivé, voilà, lui. Faut faire gaffe. Tu mourras pas. Il est arrivé. Il est où? Ils sont où? Je suis un petit peu perdu là. Non, non. Les gars, les gars, les gars. En plus, le truc, c'est que leurs roquettes, ils se les prennent pas eux-mêmes. Hein. Ça, j'avoue. Voilà. Désolé. Est-ce que le live est toujours diffusé? Juste pour savoir s'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il a... que Twitch a planté.
Non, c'est bon. D'accord. Enfin, je dis pour moi, je parle pour moi. J'ai l'impression que Twitch avait planté, mais non. Tant mieux. Le live du Tifuto, bah nice. Parfait. Non, j'avais une sorte de... pas un truc à l'écran. C'est pas un truc bizarre. Tant mieux. Tant mieux si c'est toujours diffusé. Ça m'aurait fait chier que vous loupiez ce magnifique passage. Merci Evil et Bibu, hein, vous êtes tous les deux, vous êtes les deux seuls présents. Allez viens toi. On est bon là. On est bon. Pourtant, on va passer le passage. C'est bien relou. D'accord, on va revenir en arrière, voilà. Allez, belle celle-là. Hein. Attends, venir, c'est esquive. Moi, j'ai pas trop compris. Allez, on y va. Position de combat. Cinématique. Hello, Mr. Finney. I've been expecting you, old pal. Why don't you show your ugly mug so I can see your eyes before I put a bullet between them? Remember me now, Mr. Finney? Frankie! So it was you? My God, some turds really are too big to flush. Still a comedian, eh, Mr. Vinny? I had a lot of years to plan my revenge after I survived your little murderous outburst in Thugtown back in 28. How in the hell did a freaking lunatic like you end up being the boss of this whole operation? Oh, after I heard the looking for special weapons, I offered them a little bit of my zombie booze, and they were very eager to buy it from me. I made a fortune selling that stuff. What are you working with the Germans for anyway? What the hell is wrong with you? Ah, those Germans. They'll think I'm helping them build their precious... Screw that. I'm building my own army here, and when I'm done, even the will have to answer to me. I will rule the world, and those schnitzel munchers helped me do it. You was a nut back then, and you're an even bigger nut now. Once the Allies march in here, they'll mop up your little pigsty, and you'll be swinging on a rope soon after that. That's not gonna happen, Vinny. And you know why? Because once this factory has harvested your precious blood, I will be the only person in the world who has the cure for the zombie poison. So better be ready, Mr. Vinny. This is gonna hurt. Ouais, t'as raison, Evil. Ça mélange tout, ça c'est clair que c'est un pot pourri dans le sens où t'as vraiment de tout et n'importe quoi. Bibué, bah, courage. Moi je dis, je peux rien dire par rapport à ça pour GTA. Parce que bah quand je fais des vidéos, moi aussi des fois je tue les gens pour rien. Pour la vidéo bien sûr, hein, mais peut-être qu'il y a des gens qui font des vidéos de leur côté. Que les gens qui tuent pour rien, voilà. Je peux pas les juger, que moi j'ai déjà fait pire, tu vois, genre les carnages de tank et tout. Les gens ils ont rien demandé. Et je l'aurais mis fait, je l'aurais mis cher, tu vois. On se débrouille bien là pour l'instant. Que les esquives qu'il faut. Allez, et si on le pétait la première. Ah bah voilà. Il suffisait que je dise que je me débrouillais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Sur quoi il faut tirer là ? Allez. Et si on fait la chose correctement, je prends pas pour l'instant le cœur. Je le prends juste après. Vu que je serai à la moitié de vie, je crois que ça redonne la moitié de la vie. Bon, maintenant, voilà.
Ah, vas-y, on va faire perdre la moitié. Bon, il y a un truc qui me plaît pas. Par contre. Hop. Hop. On est bon. Allez. On canarde. On canarde. T'as bien dire on canarde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les canards pour leur dire ça? La vraie question que je me pose. Qu'ont donc fait les canards? Ah ouais, forcément. Est-ce qu'on finit sur plusieurs fois? C'est drôle. C'est puissant, c'est trop fort à corps. Je vous saute bien comme il faut. Et hop là, bah oui, on peut le faire. Si on va tirer sur le... Oh, le port. Ah oui, allez, tirons sur ça. Tout en esquivant les missiles. Ça va, là, c'est pas les missiles des gros. Ah, je voulais tous les esquives. Dommage. Ah bah lui je l'ai tiré par contre. Hein. I'm not d'accord. Ça ça fait mal ça. C'est comme une sorte de magnum. Je sais plus comment on appelle ça là. Le seul problème c'est qu'il faut pas se louper quand tu tires ta balle sur les missiles. Tu fais ça et tu reviens. On est bien, désolé si je parle plus là. Je suis concentré. Enfin, je parle plus alors que je parle quand je dis ça. Voilà, oui. C'est bon. Fais gaffe. Merci pour la vie. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, bah là. On souffre. Je me cache derrière. Je suis qui? Je suis pas Noël. Je suis qui? Pardon. You fool! Now you're gonna get it! Normalement, ça devrait pas poser de problème, à part qu'il a des variants. Vraiment, si je vise bien, je devrais le tuer sans que je n'ai besoin de changer d'arme. Ouh. Il a dit la même chose. Ouh. Je pense que ça va pas suffire. Malheureusement. Au pire, on va finir avec. Ah, voilà ça, c'est bien. La double arme. Voilà. Et bah voilà. Ah non, il est encore vivant. Mais il va jamais mourir lui. J'ai pas forcément pris l'arme la plus simple pour ce genre de phase, mais c'est pas grave. Ah! Est-ce qu'on peut le tuer avec? Juste pour un. Par contre, j'ai remarqué que durant les cinématiques, parfois le son se coupe. Je sais pas si les gens avaient bien écouté, mais. Et ben voilà, on l'a tué! Le dernier Don! Bim! Scratch visiting Europe once from my bucket list. I'm done with this crap. Now where's the exit out of this freaking mountain so I can find a plane and get the hell back home? Roz?
Well, I never heard of it. Well, it's better than prison. Well, what do you know? Et voilà, magnifique jeu. Tout est bien dans ce jeu, moi j'ai adoré. Franchement, j'aimerais tellement plus qu'il fasse des DLC ou autre. Mais vraiment, c'est un régal. Je me suis régalé sur ce jeu. J'espère que vous aussi, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like. Hein, ça fera quand même une longue vidéo, mais c'est pas grave. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!